Good picture of Steve. Roger all, Discovery. Cette Semaine, la fine équipe d'ORLM tente de dresser le portrait robot de l'iPhone 8 pour fêter les 10 ans de son téléphone. Apple n'a pas droit à l'erreur et se doit de marquer les esprits avec un modèle radicalement différent. Bilan, donc, des rumeurs, photos et modélisation 3D pour découvrir deux mois avant sa présentation le prochain iPhone. Bonjour à tous et bienvenue dans le studio 4242 42 qui forme les futurs talents de la tech et qui accueille cette saison. On refait le max. C'est la dernière émission de l'année, donc merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe. Euh, de 42% de soutien et nous allons continuer l'année prochaine, on en est ravis euh, merci pour votre confiance je vous rappelle que vous pouvez euh, vous abonner sur notre chaîne préférée Dailymotion on en parlera en fin d'émission Dailymotion coup de coeur, mais également vous pouvez vous abonner sur Youtube, notre podcast sur, en version téléchargeable sur iTunes en HD en version audio et bien sûr les applications pour iOS, iPhone iPad et Apple TV pour regarder, on refait le Mac sur l'écran du salon. Euh, on va dresser le portrait cette semaine, si vous êtes d'accord de l'iPhone 8. Jamais un iPhone n'aura autant fait parler de lui, autant suscité de rumeurs, parfois même contradictoires. Donc je pense qu'il fallait faire une émission pour faire le bilan. En tout cas, c'est la montre l'attente des utilisateurs et du marché pour un iPhone radicalement différent. Et pour y voir plus clair cette semaine et tirer le, bon le bon grain de l'ivraie en plateau avec moi, un vieux briscard de la tech, Monsieur Thierry Derouet. Bonjour Thierry. Bonjour Olivier, ça va bien Tu as bien révisé tes, tes rumeurs Il y en a plein, il y en a plein, il y en ah a eu tous les 15 minutes. Hein. Ça n'arrête pas et la confirmation des rumeurs qui vont mon train, là c'est encore pire. Bien, en, en duplex également un spécialiste de l'actu quotidienne du Mac et de l'iPhone, Monsieur Didier Policani, le, le rédacteur en chef de, de Mac Forever, partenaire de cette émission. Bonjour Didier. Salut Olivier, tu vas bien Oui, oui, oui. jamais autant de rumeurs autour de l'iPhone, c'est du jamais vu hein, Didier. Oui, oui bon, c'est l'iPhone des 10 ans, c'est normal que ça s'excite un petit peu. Puis en plus, je pense que qu'il voilà, y, y a toujours beaucoup de rumeurs, puis il y a toujours beaucoup d'attentes. Puis au final, bon, du coup, on est toujours un petit peu déçu. Ouais, on en parlera plus en fin d'émission. On va essayer d'analyser pourquoi autant de rumeurs cette année. Et pour nous aider à, à prendre un peu de recul, un, un nouveau menu dans cette émission, monsieur J Jérôme Kenborg euh, de Notech TV. Bonjour, Jérôme. Eh bien, bonsoir et merci de votre invitation. Ravi d'être là avec vous. Alors, Jérôme, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le projet NoTech TV en quelques mots euh, bah, NoTech TV, c'est une chaîne YouTube. On fait des tests tech avec un petit peu d'ADN aussi, photo vidéo parce qu'on aime beaucoup ça. Donc, on a aussi une rubrique photo vidéo assez active. On fait des émissions, on va dire, classiques YouTube, montées, tournées. Mais on a une petite particularité aussi, c'est qu'on fait un live tous les matins. Une revue de presse de la tech en live en direct de mon salon chambre bureau parisien <laughs> euh, de 8h à 9h tous les, tous les matins de la semaine. Euh, L'émission s'appelle TechScope et, euh, et c'est un live, une matinale euh, avec une chat room. C'est ça l'originalité c'est que les gens interagissent avec le, les articles qu'on lit et c'est assez sympa à faire. Et, et on la et retrouve sur YouTube, live, hein, sur YouTube Live, c'est sur oui, alors, YouTube Live. Oui, alors actuellement, on la retrouve sur la chaîne principale qui s'appelle Nowtech, mm -hmm. mais très bientôt, il y aura une chaîne YouTube qui sera dédiée à ce live euh, parce qu'on fait tellement d'émissions live que ça écrase un peu nos autres vidéos. Donc, on va, on va séparer un petit peu les deux. Bien, alors, écoute, on va aussi essayer ensemble de séparer les bonnes et des mauvaises rumeurs autour de l'iPhone 8. Et on commence tout de suite avec le chiffre. De la semaine. le chiffre de la semaine et cette semaine c'est Didier qui s'y colle hein. et oui Olivier alors on nous demandait on vous demandait euh, qu'est-ce que vous attendiez le plus sur l'iPhone 8 et à une écrasante majorité quelle surprise euh, on, a, on attend effectivement donc un écran sans bord à 42% bon c'est normal hein, c'est quand même ce qui fuite le plus dans les rumeurs puis c'est ce qu'on a vu sur le Galaxy S8 donc c'est assez logique finalement que qu Apple se dirige vers ça et euh, on, a, on a aussi une meilleure autonomie mais bon Effectivement, c'est un vœu pieux depuis plusieurs années. Je ne pense pas qu'on l'aura de nouveau cette année. Et on a en troisième position donc, la recharge sans fil à quand même 15 Je pense qu'il y, y a une vraie attente et je pense qu'il y aura de plus en plus d'attentes euh, là-dessus quand les gens seront équipés en fait, dans leur voiture, chez eux, avec des petits dispositifs. Et euh, en dernier, donc, on retrouve la reconnaissance faciale qui est une petite rumeur. Je pense qu'on en parlera juste après, euh, qui, a, qui, a fait, euh, qui a fait fureur cette semaine. Hein. Oui, c'est la toute dernière rumeur qui est parue euh, sur les téléscripteurs cette semaine. On va en parler dans un instant. Mais effectivement, tu le disais, euh, 42% d'écran sans bord, c'est vraiment la tendance du marché. Le Galaxy S8, le LG euh, G6, hein, euh, Jérôme notamment, euh, Apple se doit de, de, de répondre aux, aux géants coréens qui ont, qui ont pris de l'avance sur ce créneau-là. C'est clair que, de euh, toute façon, Apple ne peut pas faire un écran avec autant de… Leur... Ça fait deux, trois ans qu'on leur dit que les bords sont trop épais sur les iPhones par rapport à la concurrence. S'ils revenaient cette année avec un vieux design, euh, c'est euh, le massacre dans les critiques, quoi. Donc, ils sont un peu obligés. Après, ils ne succombent pas à la mode du bord arrondi, par exemple. En tout cas, d'après les, les, les rumeurs et les, et les mock up qu'on voit, a priori, pas de bord arrondi. Dernier mot peut-être avec Thierry, 771 votes, un hein, votant pour, euh, pour ce sondage, alors qu'il a été euh, il a même pas 24 heures. Ça montre l'appétence autour de, de rumeurs, autour d'Apple, autour de nouvel iPhone. Euh, comment on peut expliquer cet engouement, euh, euh, Thierry bah, euh, d'abord, on vient de le dire, 10 ans. Ah, C'est quand même une pas une paille quoi. Ça fait 10 ans que l'iPhone est apparu, sans grande révolution. Alors il y a eu des améliorations en permanence. Donc là. Euh, on espère une sorte de rupture et on va le voir, c'est quand même très compliqué de faire une rupture franche et massive. Il est difficile de faire une rupture franche et massive. Habile transition Thierry, parce qu'en fait, il n'est pas certain qu'il n'y ait qu'un seul iPhone 8. On en parle dans le prochain chapitre. Il n'y aurait pas seulement un nouvel iPhone, mais des nouveaux iPhones. Apple proposerait non seulement une, une, un iPhone 8, on verra si c'est le nom, on en parlera en fin d'émission, mais également une mise à jour des iPhone 7, baptisé 7S, comme ils le font chaque année. Ça semble une rumeur crédible, Didier Alors, c'est crédible, effectivement, surtout s'il n'y a pas beaucoup d'iPhone 8, c'est-à-dire qu'il faut bien quand même vendre un appareil qui soit un peu nouveau, avec peut-être un nouveau processeur. Mais bon, voilà, comme tu sais, c'est un peu la mise à jour. Euh, tous les deux ans, il y a une vraie mise Incrémentale, à jour. Puis, euh, ouais. Voilà, il y a un petit incrément avec euh, deux, trois petits trucs en plus, mais souvent le, le... Le, vraiment le, le, le gap se fait plutôt une année sur deux. Donc euh, moi je, je suis quand même assez sceptique sur le fait euh, qu'il y ait quand même trois iPhones. Quand tu vois le nombre de modèles euh, avec les couleurs, avec les capacités, ça ferait énormément de choses à gérer hein, pour les boutiques, pour tout un tas de choses. Et je me demande s'ils vont pas faire qu'un iPhone en fait. Ouais. Parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de fuites d'iPhone 7s pour l'instant. On n'a pas vu de... à voilà, moins qu'ils réutilisent effectivement les, les vieilles. Ouais, C'est plus voilà. difficile à détecter qu'un qu qu iPhone 8. Hein. Jérôme, ton avis, on sait que Tim Cook a l'habitude de dire qu'il aime, même du temps de Steve Jobs, il aime que la, la gamme Apple soit assez rationalisée, que tous les produits tiennent sur une table d'Apple Store, un peu à, à l'image de nos comptoirs ici en plateau. Euh, tu penses qu'Apple va euh, uniquement répondre avec un seul modèle à, à l'offensive coréenne Je, moi, je suis pareil, j'y crois pas trop aux trois iPhones, Ça serait, ou alors là, ça serait une rupture du coup de la part d'Apple en essayant d'occuper le terrain. Euh, Petit pronostic, pourquoi pas un iPhone 7SE avec à côté d'un iPhone 8 Il y aurait peut-être quelque chose à faire de ce côté-là. Là aussi, on n'a pas de fuite qui confirmerait ni infirmerait ça. C'est difficile à détecter encore une fois parce que c'est un design existant en fait. Hein, ouais, ça. mais en tout cas, ça serait joli, je pense. À un, un iPhone 7SE, il y a de la demande en tout cas. Ouais. Euh, L'enjeu, et, et, et Didier en parlait, Thierry, c'est que. On ne sait pas aujourd'hui s'il y a euh, une capacité de marché suffisante en matière d'écran OLED, hein, d'écran euh, affleurant, euh, pour répondre à la demande et à la production d'Apple en matière de, de besoin d'écran OLED aujourd'hui, Thierry. C'est ça l'enjeu bah, A priori, oui. C'est pour ça on n'a jamais entendu autant de rumeurs qui, justement, ne portaient que là-dessus. Hmm. Donc, euh, pourquoi un, un, un iPhone de transition euh, bah, A priori, c'est effectivement par ce, cette difficulté à s'approvisionner en, en, en dalle OLED. Mm. Et puis, euh, moi, ce qui me perturbe beaucoup, c'est qu'il n'y a pas d'autres de, 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 rumeurs qui vont aller à l'encontre. Donc, on n'est pas en train de dire, mais non, il n'y aura qu'un nouvel iPhone. Parce que s'il n'y en avait qu'un, il y en aurait déjà deux minimum, ce qui serait sur la lignée du 8. Oui. Et, on euh, va voir pour l'instant, il n'y a qu'une seul, seule taille ouais, qui, qui, qui semble pointer le point de, de petit, son châssis. Il hein. y aura un petit format et un format un peu... Euh, celui du 8 qui est annoncé mm. parce que toute façon on le voit bien apple a besoin de segmenter quoi qu'il arrive son offre mm. ne serait-ce qu'en matière de prix alors euh, là ce qui se profile c'est que dans les, dans les magasins on risquerait d'avoir effectivement euh, pléthore d'iPhone entre les les, les les SE qui seraient conservés les 7 qui seraient donc là puisque Rappelons que les 6 et 6S sont encore présents en boutique. Ouais, surtout oui. les 6S. Surtout que le, le 7, ce n'est pas vraiment un franc nouveau modèle. Hein. Il ne mérite pas le terme de 7. C'est plutôt un, un super S, 6S, qu'un vrai, un vrai, un vrai 7. Ça reste le même design. Apple a, a gagné du temps, visiblement. Et c'est pour ça qu'il y a autant d'appétence cette année avec ce modèle-là. Bien sûr, il y a la duvotique qui est la principale nouveauté sur, euh, sur le noir de jet que j'ai ici entre les mains. Euh, mais. Voilà, il y a, il y a, je serais surpris qu'Apple arrête ce modèle-là. Il y a encore des besoins. Peut-être peut même on peut rêver de baisser un petit peu le prix. Euh, moi, je crois plutôt à la rumeur qu'Apple qu va mettre à jour celui-là. Mais euh, elle est toute personnelle, celle-là. C'est vraiment au doigt mouillé. Hein. Je n'ai pas d'infos particulières. Euh, bah écoutez, on va en parler, si vous voulez bien, des écrans en LED, puisque tu en parlais à l'instant, euh, Thierry. C'est le principal enjeu et la principale avancée de cette iPhone 8 un nouvel écran affleurant, bord à bord. On va, on va faire le tour des rumeurs ensemble dans le prochain chapitre. Messieurs, les, les rumeurs euh, sont unanimes. Enfin, un écran OLED à bord affiné. Euh, comme le montrent une multitude de photos volées, de maquettes, regardez ces images de modélisation 3D. Euh, voilà, il semblerait qu'Apple réponde véritablement sur ce point à la tendance, on, on peut le dire, qui a été hein, inaugurée par, par Samsung, avec, vous le voyez sur ces images, le bord supérieur qui accueille... Les capteurs qui ont réduit à sa plus simple expression, hein. on a vraiment condensé au maximum euh, la place pour ces capteurs de, de présence et euh, bien sûr le capteur euh, de, de, de FaceTime pardon pour la caméra frontale. Et puis à la base, vous voyez, on ne voit plus du tout euh, apparaître la, le, le bouton Home, le châssis vraiment, le, et, et, enfin pardon l'écran effleure le châssis. Il n'y aurait plus donc de bouton Home et de tâche Addy, mais on, 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 on y revient, on y reviendra. Euh, pour l'instant, on est bien d'accord, messieurs. Didier, euh, euh, la rumeur pointe, puisque la rumeur, l'ensemble des. Il des, euh, y a de grands titres de, de journaux, je pense à Bloomberg, ou à C'est journal, les gens passent, euh, qui, euh, qui ont avancé la, la diagonale de 5,8 pouces, un seul modèle. Oui, oui, mais. De toute façon, vu tout ce qui fuit des usines, enfin, je veux dire tout ce qu'on a en termes de, de prototypes, de, de, de châssis, de coques, je pense qu'il n'y a plus de mystère euh, là-dessus. Il euh, faut quand même savoir que moi, je trouve qu'Apple avait beaucoup de retard sur ces histoires d'écran, puisque euh, ça fait longtemps en fait que la concurrence propose des dalles de 5 pouces et demi comme celui-là, mais avec des designs beaucoup plus petits, notamment je crois chez LG. Ils avaient des choses qui tenaient beaucoup mieux en main. Plus et dimanche. là, ça fait trois ans de suite hein, qu'ils nous réservent ce, ce gros design pour mettre finalement un petit écran dedans. Donc, donc là, on aura un écran plus grand et quasiment un châssis qui serait légèrement plus grand que, que, que le petit iPhone actuel. Donc euh, c'est donc quelque chose qui est bah, qui, en fait qui est très attendu puisque en fait tu vas avoir donc plus de surface d'écran et tu le tiendras mieux en main. Donc euh, au niveau usage, enfin, Steve Jobs serait là, il serait, il serait tout content. En, fait. en, en gros, Jérôme, hein, comme le résumait Didier, c'est d'avoir un écran grand dans un avantage d'un écran affleurant OLED hein, en plus de l'économie d'énergie hein, de, de la technologie OLED. C'est d'avoir un téléphone plus compact, un châssis plus compact. En gros, on aurait un iPhone, un écran d'iPhone 7 Plus que j'ai là hein, qui me sert de chronomètre, dans en gros, grosso modo, un châssis d'iPhone 7. Mais oui, c'est peut-être là la rupture, effectivement, on attend tous le double modèle parce qu'on s'est habitué à ça, mais ça serait peut-être l'effet de surprise, un seul modèle, une seule taille, peut-être plus de couleurs que d'habitude au lancement. Je, sais, je suis putain là, mais euh, pourquoi pas? C'est peut-être ça qui pourrait créer effectivement un petit effet de surprise. Quitte à lancer, euh, je reviens sur le, le SE, un format beaucoup plus petit euh, pour ceux qui aiment vraiment les petits, petits smartphones euh, qui seraient plus proches de, du format qu'on connaît depuis de le 5. Quoi. Donc euh, pourquoi pas une seule taille avec un grand écran, mais une taille plus petite? Moi, je sais que ça m'irait tout à fait. J'adore mon iPhone 7 Plus, mais il est un peu grand quand même. Ouais, ton avis, Thierry, sur ce, cette rumeur d'iPhone de, de, unique, il hein, n'y aurait pas de déclinaison d'écran. Pour moi, c'est une manière de, 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 de prouver que soit l'iPhone 7 continue, soit il y a une déclinaison qui va arriver. Hein. Bah, ça semble tout à fait logique, hein, puisque, le, le, comme on l'a dit, avoir plus d'écran sur un, enfin plus de, de, un écran plus grand, plus de pixels, sur, une ta, sur un appareil qui tient mieux en main, euh, qu'est-ce qu'on veut d'autre Mmh. Donc euh, là, jusqu'ici, on, on a vu effectivement les, les, les grands modèles être difficiles à prendre en main. Euh, on ne peut pas les mettre dans les poches. Il euh, faut éviter de s'asseoir dessus. Et généralement, c'est euh, plus la jante féminine qui est intéressée parce que ça rentre dans des, dans des, dans des sacs et encore. Mmh. Donc bon, Donc, ça, ça peut rationaliser la gamme déjà parce que ça ferait euh, du coup euh, mettre en haut de gamme un, un produit qui serait euh, vraiment la star unique. Et on se poserait des questions existentielles Comme autour... Comme le premier de... iPhone, finalement, il y a 10 ans. Finalement. Tout à fait. Mmh. Le premier iPhone, il n'y avait qu'un seul appareil. Mais ce n'était pas les mêmes enjeux en termes de volume aussi. Hein. Oui. Voilà, c'était... <laughs> L'objectif, je le répète, la première ouais. année, c'était d'en vendre un million. Hein. Ouais, 1% de part de marché, du marché, de marché mondial, on est... Bien loin de, de ce chiffre-là. Aujourd'hui, euh, mais la problématique pour Apple est, et, et, et c'est vrai que c'est un feuilleton de cet écran LED équipé de la, la qui, qui, plafonne, qui qui est là depuis plusieurs années maintenant. Hein. C'est qu'entre vouloir et pouvoir proposer, entre vouloir proposer un écran et avoir le savoir-faire de le proposer, de le mettre au point, on pense qu'Apple sait faire. Euh, la difficulté, c'est d'avoir une production suffisante. On l'a dit en amont de cette émission. Et là, il y a un énorme, un énorme pas. Euh, et ce qui semble se dessiner, ce qui expliquerait que cette année, on a eu un, un design très proche de, de l'iPhone 6 avec l'iPhone 7, c'est qu'Apple n'avait pas suffisamment de, de dalles OLED à sa disposition pour, pour répondre à ses besoins. Donc on a essayé de, 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 de voir ensemble quels étaient les besoins d'Apple en matière de dalles OLED. C'est ça, mais il suffit de reprendre sur une année les ventes d'iPhone. Alors regardez ce, ce graphique. Entre le deuxième trimestre 2017, c'est-à-dire entre mars et juin 2000, 2016 et mars et juin 2017, Apple a vendu environ 214,7 millions euh, sur l'année. C'est considérable, plus de 200 millions d'iPhones. Donc il faudrait trouver un fournisseur de dalles à hauteur de 200 millions de, de, de dalles. Euh, 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 OLED, alors bien sûr dans cette 214,7 il y a tous les modèles d'iPhone il hein, y a bien sûr l'iPhone SE, l'iPhone 6 l'iPhone 7, mais, mais quand même et, et aujourd'hui euh, c'est assez simple de trouver les fournisseurs de dalle il n'y en a que deux et ils sont coréens Didier hein Oui, il oui, n'y a que Samsung et LG, sachant que c'est même plutôt Samsung qui est capable de vraiment produire pour l'instant en quantité avec euh, un niveau de qualité suffisant. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce qui bloque et qui fait qu'on n'a pas toujours pas de d'OLED, c'est que, euh, effectivement, Samsung se réserve peut-être aussi certaines technos. Si on n'a pas les bords arrondis, c'est peut-être parce qu'ils aimeraient bien garder ça pendant encore une année ou deux sur leur euh, Galaxy. Donc, euh, donc, avoir effectivement les négociations. Il faut pas oublier que Samsung et Apple, c'est pas le grand amour non plus. Hein. Apple, ouais. je pense, aimerait bien se dissocier de Samsung. Mais bon, voilà, ils ont besoin de leur mémoire, ils ont besoin de leurs écrans. Et euh, de l'autre côté, on fait pression, mais on a aussi besoin d'Apple pour faire rentrer de l'argent. Donc c'est un petit peu gagnant-gagnant. Oui, oui ils, en, ils en ont un peu besoin parce qu'ils ont un peu perdu l'année dernière avec le Galaxy Note. Euh, Jérôme, ton avis On sait que, on sait que le, le, les écrans Super OLED, c'est une marque de fabrique des Galaxies depuis l'introduction du premier Galaxy, euh, il y a presque 6 ou 7 ans maintenant. Euh, il, y a, il y a beaucoup de rumeurs d'une commande record euh, de près de 8,5 milliards de dollars. Entre Apple et Samsung, c'est considérable, 95 millions de dalles. Mais encore une fois, voyez, 95 millions, on est encore loin des 214 nécessaires pour couvrir l'année. Hein. Donc, euh, et ça, c'était une source de Digitimes, qui se trouve rarement et ça date du mois d'avril dernier. Ton avis, Jérôme Bah, c'est vrai que du coup, on peut se dire peut-être que la dalle OLED sera réservée à un modèle euh, édition très haut de gamme dans la proposition d'Apple à la rentrée. Euh, moi, ce qui m'intéresse de voir, parce que c'est la façon de faire d'Apple. Euh, Apple, on peut dire qu'ils ont beaucoup de retard sur l'OLED, mais Apple a beaucoup de retard sur beaucoup de choses. Et ils ne le font que quand Apple est prêt à faire ce qu'il y a pour eux de mieux dans cette technologie. Donc, quand on, quand on voit la qualité qu'ils sont arrivés à faire avec des écrans LED, et euh, dans, dans l'iPhone euh, 7, vraiment, l'écran est de qualité, ce n'est pas de l'OLED. <laughs> et, hein. et, et, ouais, et donc, euh, là, moi, je suis très impatient. Euh, de voir ce qu'ils vont arriver à faire euh, avec, euh, avec de l'OLED, dont on sait que la technologie est quand même supérieure pour afficher des choses, mais après, tout est du fine-tuning. Hein. Euh, je ne suis pas un fan, par exemple, des écrans Samsung, je les trouve trop saturés. Oui, ils ont euh, tendance à être trop euh, flatteurs, hein, c'est ça, Jérôme Trop flatteurs. Disons que c'est des réglages assez asiatiques. Et mmh. je... Voilà, waouh. Les Voilà, ouais. l'effet un peu waouh. Euh, Apple, je suis très très impatient de voir ce qu'ils vont faire avec un OLED. Ouais. L'autre rumeur qui, qui a débarqué cette semaine, c'est tout chaud. Thierry, c'est un autre Coréen le, et le rival principal de Samsung, à savoir LG, qui rentrerait dans, 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 dans la boucle. Selon Korea Herald, le Korea Herald, un accord de fourniture de DAL serait en vue qui prévoyait la mise en place d'unités de production exclusive de dalles OLED pour Apple. Pour l'iPhone, pour un montant de entre ça le montant entre 1,75 et 2,6 milliards de dollars. En clair, quasiment une usine réservée uniquement à la production euh, de, de, de dalles pour l'iPhone. Il semble assez logique qu'Apple ne puisse pas se limiter à un seul fournisseur unique de dalles. C'est un trop gros risque aujourd'hui. Bah, c'est un peu le jeu de je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Hein. Parce que si Samsung ne peut pas répondre. Ce euh, bah, si, bah, serait un scénario terrible pour Apple. C'est une catastrophe. De toute façon, c'est assez marrant. Hein. Il, y a quand même, euh, il faut, faut quand même rappeler que Samsung produit des dalles OLED de téléphone et pas de téléviseurs. Hein. Et LG est spécialisé dans la production de dalles de téléviseurs et moins de dalles de téléphone en matière OLED. Ce n'est pas tout à fait les mêmes, euh, les mêmes usines, les mêmes contraintes. Et, et... Hein. Voilà, et puis, voilà. et puis euh, moi, moi, non, bon, moi, je dois dire que les, les, les premières. Euh, Premiers écrans OLED des téléphones Samsung, franchement, ils n'étaient pas terribles. Donc aujourd'hui, les contraintes, les contraintes qu'il y a sur cet écran, c'est vraiment celui d'effectivement d'approcher au maximum des bords. Voilà, ça c'est clair. C'est pour ça qu'on retient cette technologie plutôt que de conserver celle qu'on a aujourd'hui. Et puis, et ça nécessite aussi. Et parce qu'on dit aujourd'hui Apple serait en retard. Non, n'est pas une histoire de retard. C'est pour la première fois, ils n'arrivent pas à tenir par les. coconettes. on peut dire. Voilà, on peut le dire, <laughs> leur propre fournisseurs. Oui, c'est la marque de fabrique d'Apple. Je rappelle, c'était le truc de, de, de Cook quand ils ont lancé euh, les, les, les premiers lecteurs MP3. Ouais. Le truc, c'est qu'ils ont asséché le marché. On voulait en, produire en... l'équivalent d'un iPod, on voulait équiper l'iPod du même disque dur, ils avaient acheté toute la production à tout voilà. cher. Et là, bah, mmh. manque de bol, c'est plus le cas. Donc les rôles sont un peu inversés. Samsung est un peu en position de. Bah, France, Samsung, aujourd'hui, avec, euh, avec LG, c'est la force. Des, des coréens, c'est de détenir la totalité des, des composants. Au début, ce qu'ils faisaient, ce n'était pas terrible, et maintenant, c'est juste les meilleurs. Mmh. Voilà, c'est un retournement de situation. Dernière rumeur qui a, qui a bruité suite à l'arrivée de l'iPad Pro récemment, et Didier euh, l'a testé, il y a une jolie vidéo de test, allez la voir sur Mac Forever. Euh, L'iPad Pro a une particularité, tu parlais, euh, Jérôme, d'une qualité d'affichage. Et l'iPad Pro est remarquable notamment avec le doublement de la fréquence d'affichage 100 Hz, c'est la fameuse fonction ProMotion. Est-ce que euh, vous pensez que c'est un scénario crédible Est-ce que ça peut être utile pour un téléphone Peut-être euh, peut Jérôme, tiens, et après Didier. Écoute, moi en tout cas, dans, dans, dans mon test actuel du, du nouvel iPad Pro, je trouve que là où les 120 MHz apportent le plus, c'est dans l'utilisation du stylet. Donc ça apporterait moins sur un, un iPhone. Après, c'est quand même... En fait, c'est typique de, de ce que fait Apple. Euh, tant qu'on l'a pas eu en main et qu'on joue pas avec et qu'on ne le compare pas à ceux qui ne sont pas en 120, on ne voit pas vraiment la différence. C'est plus au niveau du ressentir. Hein c'est une, une fluidité qui, qui est assez marrante. Ça, plus un écran OLED. Ça pourrait donner effectivement une nouvelle sensation, quitte à provoquer des vomissements dont on a parlé, <laughs> parce que ça serait une image trop réaliste. Ouais. Voilà. Didier, pour conclure sur l'écran. Ouais, moi aussi, je veux ça. D'ailleurs, euh, je ne sais pas si tu as déjà essayé d'avoir euh, côte à côte un, un iPhone 7 et un 7 Plus. Mmh. Euh, sur le 7, l'image est beaucoup plus fluide. Enfin, ça vient essentiellement des, du calcul des animations. Ouais. En fait, pour avoir 120 Hz, il faut quand même beaucoup de puissance, peut-être même beaucoup de. De, de, ça risque de, de, de prendre un peu sur l'autonomie. Donc, je ne suis pas sûr qu'il le fasse tout de suite sur ce téléphone. Surtout que si on, on perd un peu de batterie par rapport au 7 Plus, euh, tu vois, je ne suis pas sûr la console, à mon avis, ça va être un sacré enjeu. Alors, peut-être que l'OLED va, va compenser ça. Mais, mais c'est vrai que du 120Hz, une fois que tu l'as essayé sur l'iPad, tu le veux. Enfin, c'est ouais. normal. quoi C'est comme passer de, de 30 à 60. C'est assez fabuleux quand même. Hein. Ouais. et, 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 et L'autre. Euh... Je dirais, ce qui est lié à l'apparition de, de, ce, de cet écran LED et à Florent, c'est la disparition de, du bouton. Va-t-il signer l'arrêt de mort de Touch ID C'est le feuilleton de cet hiver. Hein. Une semaine sur l'autre, on nous a dit que le, le Touch ID disparaît, qu'il va au dos. On en parle. De ce... Touch ID sous l'écran ou bien au dos, voire même va-t-il disparaître Pour gagner la place, Apple n'a pas d'autre choix que que de retirer le bouton physique, mais ce n'est pas pour autant que le bouton home va disparaître. Dès lors, comment valider un paiement ou déloquer son iPhone avec Touch ID On a déjà des pistes, simplement en Jérôme avec le, le, le Samsung Galaxy S8, parce qu'ils ont déjà répondu à cette problématique. Oui, on sent, moi, c'est ce que j'avais dit dans mon test du Galaxy S8, on sent un peu la réponse catastrophe. Euh, ils auraient bien voulu avoir cette technologie parce qu'on sait qu'elle existe, hein, qu'elle est en développement, il y a eu des démos, il y a même. Euh, technologie, mar... Jérôme, je te coupe, pardon, c'est la oui. possibilité de mettre le bouton sous l'écran, hein, sous ça, le capteur, ouais. l'empreinte digitale, hein, le lecteur d'empreinte digitale. Mais on sent que Samsung n'a pas eu la technologie à temps ou la l'a ma pas maîtrisée à temps. et... Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le lecteur d'empreinte digitale derrière le Galaxy S8, juste à côté de l'objectif photo, c'est hein. un, ouais, un choix assez catastrophique, euh, déjà pour le, le nettoyage de, de, de l'objectif photo. Et Au moi, droit. je ne voilà, je le trouve pas du tout pratique. Il faut espérer qu'Apple euh, n'en soit pas là. Ça m'étonnerait, mais, euh, mais ça m'étonnerait aussi qu'ils arrivent à mettre le lecteur d'empreinte sous l'écran. On personne. va en parler. C'est vrai oui. que les premières euh, photos volées de châssis, schémas, euh, maquettes qui sont apparues euh, sur le web euh, cet hiver et à l'approche du printemps, euh, euh, Didier, montraient euh, des châssis d'iPhone 8 avec un lecteur d'empreintes Touch ID au dos et c'était plutôt, euh, plutôt pas une bonne nouvelle. Mais par chance, euh, par la suite, ça a disparu. Hein. Mais je pense que c'est le problème c'est le plan B. C'est-à-dire que s'ils n'arrivent pas à mettre ce capteur sous l'écran, ce qui a l'air quand même d'être le cas. Hein, c'est ce qui se profile, ça a l'air d'être compliqué. La techno a l'air d'être là, mais pas encore tout à fait implémentable en production. Parce que faut savoir que la production, là, elle devrait Quasiment maintenant ou ouais. dans, dans, dans il quelques a semaines, déjà hein. un peu commencé pour les presser si le truc n'est hein. pas au point qu'il n'a pas fait tous les tests, donc je pense qu'ils ont fait différents prototypes. C'est pour ça qu'on a vu des maquettes euh, fuitées. Mm -hmm. euh, la question, est, et justement, il y avait certaines rumeurs qui disaient qu'Apple réfléchissait à l'enlever carrément, c'est-à-dire que plutôt que de faire une faute de design comme Samsung et de le mettre derrière, il l'enlèverait. mais ça pose quand même certains problèmes parce qu'il a quand même Apple Pay derrière, c'est quand même une forte valeur ajoutée pour l'iPhone. Et puis euh, les autres solutions, je pense qu'on va en parler après, euh, c'est pas encore 100% au point pas c'est pas forcément facile dans toutes les conditions de lumière, etc., d'orientation. Ah. Donc, euh, l'enlever vraiment ça serait compliqué. Alors, il y a une troisième possibilité oui. qui, qui aurait pu arriver, et on, avec les châssis et tout, on ne peut pas encore le dire maintenant, mais de le, je crois qu'il y a Sony qui fait ça, c'est de le mettre sur le bouton, euh, sur le côté, en fait, donc sur le bouton d'alim, ah, enfin, euh, de Sony. Donc, ouais, c c pas... enfin, ça pourrait être moins pire finalement, peut-être que derrière, parce qu'au moins sur une table, tu peux, tu peux, tu peux l'activer. Euh, Thierry, ton avis, c'est vrai que l'Apple le... bon, la, 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 la Pen n'est pas encore hyper développé, hein, mais ne fût-ce que pour, dé dé pour déloquer son iPhone simplement et de manière sûre avec son téléphone, d'avoir le, le bouton en façade, c'est une vraie valeur ajoutée. D'être obligé de le reprendre en main et d'aller derrière, c'est vrai que c'est en plus des, 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 des erreurs de design qui font qu'on touche l'objectif, comme, comme le montrait euh, Jérôme. Euh, voilà, c'est un vrai problème pour Apple. Hein. C est, c est... Et bah, la solution n'est pas évidente. Hein. Non, la solution n'est pas évidente. De toute façon, le, le, là, le lecteur d'empreinte, il n'est pas parfait aujourd'hui. Hein. Mm. Combien de fois on est obligé de mettre son doigt plusieurs fois euh, euh, Quand on a les, les doigts mouillés, c'est quand même pas terrible. Donc, ce que, que j'ai envie de dire, c'est si la technologie n'arrive pas à résoudre ce problème on peut faire un très bel enterrement, enterrement de première classe. Hein. Ouais, et quid d'Apple Pay On sait qu'Apple a beaucoup d'appétence en matière de paiement ah bah sécurisé ça, et, et, et touche bien sûr des royalties sur chaque paiement. Ça, c'est critique. Ça, ça veut dire qu'il faut trouver une autre solution pour sécuriser les paiements. Alors, Avant de parler de solutions alternatives, parce qu'il y en a, euh, a c'est déjà une réalité, hein, tu le disais euh, Didier, ou encore euh, Jérôme, a la possibilité d'intégrer le capteur d'empreintes digitales sous l'écran. Non seulement Apple a déposé un brevet en ce sens, hein, regardez, ça ne veut pas vraiment dire grand-chose, mais Apple y réfléchit en tout cas, euh, mais ce n'est pas que théorique. Deux sociétés ont, ont déjà dé, euh, proposé des solutions, ils proposent déjà des solutions industrielles, deux constructeurs, le premier, regardez, c'est Synaptics, qui a dévoilé fin 2016 un écran, euh, qui, un système qui permet de, euh, de mettre un capteur d'empreintes digitales sous un écran euh, au l'aide de 1 mm d'épaisseur, mais sa disponibilité ne serait qu'au second trimestre, euh, semestre 2017. C'est bon pour Apple, mais ça va être trop tard pour Samsung, ce qui expliquerait que Samsung en soit dépourvu. Et l'autre société, euh, euh, c'est Qualcomm, hein, une célèbre entreprise en matière de téléphonie, qui a présenté plus récemment au Mobile World Congress de Shanghai des capteurs d'empreintes digitales ultrasoniques, qui fonctionnent ces fois sur, un sur des écrans jusqu'à 1,2 mm d'épaisseur. Et c'est déjà en production, regardez. Euh, ce téléphone signé, euh, chinois, un signé Vivo, c'est un constructeur chinois, pardon, et qui permet aujourd'hui de, enfin, de débloquer le téléphone, euh, d'enlever de, le lock en simplement po posant euh, euh, le doigt. On sait que euh, Didier, il y a quelques années, Apple avait acheté une société qui s'appelait Authentech en 2012, que Tim Cook, euh, on peut penser qu'il avait plutôt préféré développer. Euh, ce, euh, ce procédé en interne. On avait entendu parler, on, a vu, on avait lu ça sur ton site, que qu'ils avaient racheté pas mal de brevets d'une société spécialisée en matière d'empreintes de, digitales qui s'appelle privarisk. PrivaRis, que même TC, TSMC, qui est le, fabrique, le fondeur de, de puces pour Apple, s'était positionné pour fabriquer ce capteur. Donc, Apple était tout près de... En tout cas, avait été dans la démarche d'y arriver. Hein. Mais la difficulté, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à une, à une maturité industrielle C'est bien l'enjeu. Oui. Mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que tu peux avoir des protos qui marchent. Il y a pas longtemps, il y a un, un espèce de proto, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais d'iPhone 4S avec un capteur Touch ID qui a, qui a fuité, euh, que tu pouvais acheter sur eBay. Alors bon, voilà, il faudrait, faudrait essayer de l'acheter pour voir. Mmh. Mais ça veut et, et c'était largement avant justement le rachat d'Authentec. Tu te dis quelque part, toutes ces technos, elles sont forcément testées. Ce, ce capteur sous l'écran, là, il existe, on l'a vu, hein, mais on est encore euh, loin, apparemment, de la phase de production. C'est-à-dire que même euh, le, celui qui est intégré là, dans les smartphones de Vevo, apparemment, il est quand même assez lent. Il y a plein de contraintes encore. Et ils disent hein, qu'ils ne sont pas capables de le produire encore en quantité industrielle, puis sûrement peut-être pas à 100 millions d'exemplaires d'un coup. Donc euh, tout se joue là-dessus. Et effectivement, s'ils partent sur une autre techno qui est amenée à remplacer ce capteur, euh, on les voit mal retrouver le capteur après. Et puis tous ceux qui ont acheté le téléphone entre temps. Et puis qui se prennent en photo à la caisse pour payer, on va leur dire bah non, en fait, c'était nul, acheter votre capteur d'empreinte. Euh, ça risque d'être un peu confus tout ça. Donc, effectivement, euh, moi, je pense qu'ils vont décider ou pas de basculer sur une autre techno, mais il faut que cette autre techno, elle soit vraiment béton. Et là, pour l'instant, moi, ça m'inquiète un petit peu de, de voir qu'on a l'air de patauger, en fait. Hein. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Jérôme c'est qu'Apple, finalement, intègre une technologie lorsqu'elle est vraiment fiable. À 100%. Maîtriser. Ouais. On, est, euh... on, est, on est dans le numérique, donc euh, on, est, on a souvent été pétatesteur pour Apple. et Ça fait des années que je suis pétatesteur pour Apple, bien malgré moi. Euh, mais c'est vrai que c'est quand même la culture d'Apple. Ben, la culture d'Apple, elle est double là-dessus. Non seulement, et c'est pour ça qu'on a toujours l'impression, nous qui sommes fans de tech, qu'Apple est un peu en retard par rapport aux autres technos. C'est que, un, Apple n'applique une techno que quand il la maîtrise plus ou moins complètement. Hein. Je mets des gros guillemets, mais. En tout cas qu'ils sentent qu'ils la maîtrisent, et également quand ils sentent que le public est suffisamment éduqué pour l'utiliser. Mmh. Ça, on a plein d'exemples effectivement dans l'application. Dans, dans on l'a vu avec l'iPad Pro et iOS 11 là récemment. C'est des fonctionnalités qu'ils auraient pu mettre dans le premier iPad Pro, mais ils ont pris le temps pour mmh. que le public s'habitue petit à petit à des fonctionnalités. Ils veulent pas intégrer trop de choses en même temps et que ça fasse des grumeaux. Mmh. C'est un peu comme ça que je résumerais l'approche Apple. Et pour être complet et pour conclure ce chapitre euh, de, du capteur Touch ID, vraiment c'était le feuilleton de cet hiver sur l'iPhone 8. Le dernier épisode de, en date date de cette semaine avec euh, le célèbre analyste de, du cabinet 4GI, à savoir Ming Shikyo, qui a sorti quelques pépites hein, sur Apple, qui a annoncé le retrait pur et simple du capteur Touch ID sur l'iPhone 8. Voilà où on, où on en est aujourd'hui. Quelles alternatives On en parlera juste après les questions. Beaucoup de questions cette semaine, beaucoup d'interrogations autour de l'iPhone 8. Première question de, de Mohamed. Mohamed91000. D'après les rumeurs, l'appareil photo est placé sur le côté gauche. Selon vous, pourquoi l'avoir placé de la sorte Il est vrai, Jérôme, que le capteur passe d'une position horizontale à une position verticale. C'est vrai que ça intrigue et pas mal de monde. Ben, moi en premier. Euh, alors, il y a plusieurs hypothèses. Effectivement, euh, ça serait peut-être pour optimiser le mode portrait, puisqu'il fait une détection avec du mapping 3D en, en calculant entre les deux objectifs. Donc, peut-être que euh, ce truc vertical permet d'optimiser ça. Après, je ne suis pas ingénieur optique, donc je ne peux pas vous le confirmer. Moi, je pense que c'est surtout pour faire de la place à un composant. Euh, interne qu'on connaît pas, peut-être de la recharge sans fil ou quelque chose comme ça, ou plus de batterie. Donc c'était mieux pour eux de le mettre en vertical. Mais sinon, en termes de photos pure il n'y a pas d'explication. Euh, ça ne va pas améliorer les photos que les deux objectifs soient à la vertical. Mmh. Euh, Didier, peut-être un complément d'information Non, ça intrigue, ça intrigue pas mal les gens cette histoire. C'est assez marrant parce qu'on s'était habitué en fait, à ce truc déjà un petit peu bizarre. Alors c'est vrai que. Mais moi, moi, je rejoins beaucoup la vie de Jérôme. Je pense que c'est effectivement peut-être un, un composant derrière. Là, comme il y a la charge sans fil, moins ça déborde, mieux c'est. Et puis en plus, ça permet de le positionner peut-être un peu. ne va pas trop vite pour la recharge sans fil. On vient <laughs> <à l 'heure. rire> oui, euh, Autre question de NC883, alias Nicolas C883. Il y aurait-il que des écrans Samsung LG ou seront-ils capables, j'imagine qu'ils parlent d'Apple, enfin les responsables d'Apple, un jour de gagner du terrain à fabriquer eux-mêmes leur AMOLED à l'avenir En clair, est-ce qu'Apple pourrait produire ces dalles comme elle, elle a un jour décidé de designer, pas de produire, mais de, de euh, designer ses propres puces, euh, et même si elle ne les produit pas encore, mais en tout cas, elle, elle, elle les design. Bah, pas du tout, C'est pas possible. On oublie qui sont euh, Samsung et LG. Hein. Mm. Ce sont des conglomérats coréens qui pèsent extrêmement lourd. Ce sont des gros industriels, d'accord Donc ils font euh, dans le tanker euh, pour euh, livrer du pétrole. Euh, euh, ce que je veux dire c'est des gros bateaux hein. mm. ils, font de, ils, donc ils, ils font des tas de choses ils font de la voiture ils font donc ce sont des industriels et donc des Apple... Chiboles, on voilà. dit ça. et Ab Apple n'est pas un industriel voilà malheureusement Sauf vous si... ne l'êtes plus bah, non, on ne l'a jamais été réellement. Ah bah, ils avaient quelques usines il y a quelques années. Oui, mais des usines pas... d'assemblage de composants électroniques, vrai. ça n'a jamais fait de, de, jamais du constructeur un, un industriel tel que l'est tel que aujourd'hui euh, un Samsung ou un LG. Et ce qui explique encore une fois les difficultés d'Apple. Voilà, là, on voit une vraie valeur ajoutée de, 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 de Samsung aujourd'hui parce qu'ils produisent ses propres dates, donc ils peuvent se les réserver et, et donc euh, proposer des, ce genre d'innovation dans les écrans et les réserver à ses, à ses clients tiers que, euh, quelques années après. Autre question de David, alias David Omac. Bonjour, pensez-vous qu'il y aurait un iPhone 4,6 pouces du gabarit du SE C'est vrai que si euh, on, on pourrait imaginer avec la, une dalle à OLED, ou OLED, pardon, à euh, un écran d'iPhone 6 dans un châssis d'iPhone 5, Didier. Oui, on en discutait juste avant, ce serait la logique. À la limite, ils devraient avoir toujours un petit iPhone et un grand, un grand iPhone, mais effectivement, en réduisant les dimensions, est-ce qu'ils vont le sortir tout de suite ou est-ce qu'au début, par exemple, ils vont faire juste un iPhone 7S, tu vois, qui soit un petit peu plus petit et puis euh, qui soit, qu soit quand, même, euh, quand même proposé sur le marché euh en attendant qu'il y ait plus de la LOLED, par exemple, hein, ça pourrait être une contrainte. Mmh. pourquoi pas Mais c'est vrai que je pense qu'il y a encore beaucoup de gens, et on en discutait tout à l'heure au niveau des filles, au niveau de tout un tas de gens qui ont des petites mains, qu on, qu on, vraiment, qui ne sont pas à l'aise du tout avec ces, ces grands iPhones et qui, qui, qui plébiscitent encore d'ailleurs le SE. Donc il faudrait qu'Apple réponde à ce besoin. Ah, surtout Jérôme, que j'ai honte qu'Apple, l'année tout dernière, à proposer finalement des écrans, des, des, des téléphones de, de ce format-là, hein, avec des écrans assez compacts. Euh, dans le reste de la gamme ça commence à disparaître dans le monde Android, il hein, n'y a plus d'écran de 4 pouces quasiment plus, oh, vraiment c'est vraiment l'entrée de gamme. Hein. Alors qu'il y a une, effectivement une vraie demande, il y a aussi euh, des adolescents et puis ça permet de proposer quand même un iPhone moins cher. Et puis mine de rien, il y a un marché aussi qui arrive. Alors c'est un marché de riches, mais c'est le deuxième smartphone. Avoir un deuxième smartphone <laughs> chez certaines personnes, ça se fait de plus en plus. Oui, au prix où sont euh, les lignes aujourd'hui, c'est vrai. C'est vrai, ouais, notamment en donc, France. Euh, pas... euh, ouais. Moi, je vois de plus en plus de gens qui se rembalent avec deux smartphones. Et du coup, on va chercher le modèle le plus petit possible ouais. pour ne pas avoir deux... De deux grosses briques dans sa poche. Oui, entre l'univers professionnel et l'univers familial. Euh, mais l'autre solution, euh, ce serait peut-être la double SIM hein, qui est très populaire dans, dans mmh. l'univers Android, mais malheureusement, ce n'est pas une rumeur qu'on a retenue pour l'iPhone 8. Euh, dernière question, et ce sera encore pour toi, Jérôme, une question de Vincent avec un, un pseudo rigolo. Moi, sur Mars, y a-t-il une chance pour que les iPhone 8 aient des capteurs photo plus grands Jérôme. Eh ben, j'espère, j'espère bien, parce que Apple nous a un petit peu enfumé ces dernières années avec <laughs> la technologie deep trench, ouais. soi-disant euh, compensait le fait que les pixels devenaient plus petits sur leurs capteurs, donc moins bons en basse luminosité. Il serait temps que Apple sorte de sa tranchée justement et se mette à faire des capteurs plus grands. Les concurrents le font, Samsung le fait, donc c'est souhaitable. Je... si on regarde l'évolution des capteurs dans les iPhones. Cette année, il devrait grandir. C'est selon le cycle. Généralement, il ne change pas tous les ans, la taille du capteur. Ils optimisent le traitement électronique de l'image d'une année sur l'autre. La taille du capteur, il la change généralement tous les deux ans ou tous les trois ans. Voilà. Donc, mmh. ça, devrait, ça devrait arriver, une, une plus grande taille de capteur. Et c'est bien, parce que même s'il n'est pas mauvais en basse luminosité, peut mieux faire. De capteur, on va en compte. On va continuer, si vous êtes d'accord, d'en parler, euh, de la toute dernière rumeur qui, qui est toute chaude qui vient de débarquer avec l'arrivée d'un tout nouveau capteur. Et c'est un scanner. Alors, le prochain iPhone serait équipé d'un scanner 3D en lieu et place de Touch ID. Alors ce serait ça la parade, euh, Didier, euh, qui confirmerait donc la, la rumeur euh, cette semaine de Ming Chikyo, euh, l'analyse du cabinet KGI qui a annoncé la... KGI qui a annoncé la disparition de Touch ID. Bloomberg renchérit en disant oui, c'est vrai, mais effectivement, sous la plume de Mark German, qui est très célèbre parce que c'était celui qui a sorti tous ses scoops du temps de Night to Mac, euh, que ce capteur 3D servirait à la reconnaissance faciale euh, via une caméra, une nouvelle caméra FaceTime en, sur la face avant du, du, euh, du téléphone. Et donc, comme elle serait 3D, elle, euh, bah, elle serait plus sécure, dirons-nous. Elle offrirait plus de sécurité qu'une caméra standard. Votre avis, messieurs Didier mais euh, ce capteur 3D, on en parle depuis longtemps en fait hein, sur l'iPhone 8. Je crois que les rumeurs remontent même à peut-être fin 2016. C'est vrai. Donc je pense qu'ils avaient déjà peut-être cette idée d'identification, mais peut-être des idées, bah, je sais pas, de pour la réalité. Augmentée. Mais là, c'est Bloomberg quand même, Didier, ouais, hein. chose comme ça. Alors. Techniquement, en fait, c'est passé chez KGI. Les deux, les deux infos sont passées chez KGI. Hein, le fait qu'ils n'avaient qu pas la techno pour avoir le capteur sous l'écran et le fait d'avoir ce fameux capteur 3D. Bloomberg, en ce moment, n'est pas si bon que ça. Hein. Il, ah bon. Il, beaucoup de, ouais, il pousse des commodes, comme on dit, parce qu'ils ont embauché Mark Gourman, qui était chez nine to five hein, pour la petite histoire. Et puis maintenant, il faut qu'il qu envoie de la rumeur, mais j'ai l'impression que ses sources sont plus aussi. Un bonne. peu plus difficile. Hein. J'ai l'impression que, que la source est un peu tarie, c'est ça ah Oui, bah forcément. Euh... Peut-être qu'il y a plus de pression aussi du côté d'Apple. Mais tout ça pour dire, oui, moi, donc le, le, le capteur 3D, la question, c'est vraiment, est -ce que, enfin, on en parlait tout à l'heure, est-ce que c'est le plan B Est-ce que c'est un truc qu'ils qui, qu ont fait un peu à la dernière minute pour compenser ça euh, Moi, je m'interroge beaucoup sur l'usage. C'est-à-dire que ton iPhone, il est quand même posé sur ta, sur ta table, des fois, il n'est euh, pas forcément en pleine lumière, il est peut-être dans le noir, euh, tu ne l'as peut-être pas forcément pile en face de toi. Quand tu vas payer tes achats à la caisse, tu t'imagines devant la caissière, <laughs> devant tous les mecs qui attendent. Excusez-moi, je me fais petit selfie pour payer. Excusez-moi, je suis mon téléphone. Effectivement, peut-être que ça marche bien, peut-être que c'est rapide, mais il y a quand même un gap euh, là-dessus qui est déjà l'empreinte digitale. Hein, c'est un truc on, on commence à s'y faire. Ouais. Euh, mais est-ce que ce truc-là va répondre en fait à tous les besoins qu'on qu avait avant Alors maintenant, ils ont quand même des, des technos qui sont assez fiables. On sait faire de l'analyse d'image en temps réel, on le voit avec Snapchat et tout. C'est rigolo, mais c'est énormément de calculs en fait qui sont qui sont derrière. On commence à avoir des coprocesseurs qui, qui arrivent à faire ça très très vite. Donc, je pense que c'est techno là on, on, on l'a mais aujourd'hui il y a quand même des téléphones qui font ça on peut les on peut les comment les dire hacker les, les hacker assez facilement on a vu avec le galaxy avec des photos ça, ça suffit alors il paraît qu'Apple aurait quand même une techno qui, qui permettrait de faire un vrai scan 3D ce qui permettrait de sécuriser le truc, mais il ne faut pas oublier que les banques et tout derrière, elles veulent des garanties, donc elles ne veulent pas que si, que si tu mets une petite photo un peu en 3D, ça marche, tu vois, il faut vraiment un truc béton, quoi. Et c'est plus qu'une rumeur, hein, puisque euh, Challenge avait sorti une info comme quoi euh, l'entreprise le, le Franco, enfin, le, franco-italienne euh, ST Microelectronics a, avait vendu pour près de 150 millions de... Ben, j'ai plus le chiffre, mais peu importe, avait signé un contrat avec un important constructeur de téléphone pour fournir des images en 3D et et tout laissait penser que c'était Apple. Euh, plus récemment, euh, Apple aurait commandé près de 150 millions de capteurs 3D chez Viavi, qui est un fabricant chinois, je ne veux pas dire de bêtises. Bref, euh, c'est plus que de la rumeur, il n'y a, a pas de fumée sans feu. On a vu, on a vu sur le Galaxy S8 que... Euh, le problème de sécurité se pose sous ce type de capteur. Euh, Lorsqu'on a fait le test du S8, effectivement, si on utilisait vraiment la, la solution euh, euh, sans, euh, sans, sans trop activer de sécurité, si on mettait une photo de moi, on pouvait débloquer le, euh, la, 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 le, le téléphone. Euh, ça pose des problèmes par rapport aux engagements qu'a pris Apple autour de la sécurité, autour de Touch ID notamment pour les paiements. Ce n'est pas quelque chose qui peuvent prendre à la légère. C'est un vrai problème pour Apple aujourd'hui. Oui, ce n'est pas, pas, pas un détail. Là, c'est assez considérable. Je pense que ça serait presque euh, ça peut être une, un gros crack derrière euh, parce que possible. C'est que du soft, hein. on est bien d'accord. Oui, oui. Mais, mais là, le, le, le vrai problème d'Apple, c'est sa crédibilité dans le temps avec leur, leur technologie technologies et leurs usages. Là, ils peuvent pas revenir en arrière sur le, le, le sur Apple Pay, ça c'est pas possible. Non. Dire qu'on va faire de la vérification rétinienne pour payer, euh, outre le fait que c'est pas super pratique. Euh, c'est euh, l'argument, hein. bon. c'est qu'en plus de, du, du, du capteur 3D, il y aurait une reconnaissance de, euh, rétinienne qui garantirait donc la sécurité. Oui, mais enfin, à, à ce niveau-là, on peut aussi se brancher directement et payer avec son sang. Ce que mmh. je veux dire, c'est que la, la, la sécurité, elle peut jamais être assurée à 100%. Euh, même y compris sur des objets en 3D qui pourraient euh, très bien faire la, la blague comme une photo pour, pour débloquer euh, un téléphone. Donc je ne sais pas. Je, là, je reste un peu dubitatif, surtout que ça... Là pour le coup, l'histoire des rumeurs, c'est que c'est un vrai jeu de ping pong. Hein. Mmh. Un coup ça passe, un coup ça passe pas. Euh, donc euh, ça, sent vrai, en, ça revient, ça revient, euh, c'est fait de tout petits sa, sa, Savoir réellement ce qui est vrai là dedans. <laughs> euh, visiblement, oui, il y a des capteurs photo 3D. Euh, visiblement, oui, il y a des difficultés euh, pour avoir le lecteur d'empreintes euh, sous l'écran. Maintenant, il serait de bon ton quand même que Apple euh, trouve une solution. Voilà. Bah, J'ai envie de dire. Genre, je, bah, si ce... Là, ils ont gagné un an avec cet iPhone-là, puisqu'il n'y a pas d'écran OLED, mais là, ils ne peuvent pas reculer. Ils sont obligés de le sortir, ce téléphone-là. Ils auraient trop de retard en, en termes de, de design. Et que oui, il... ou alors ça voudrait dire qu'ils vont sauter. Euh, enfin, il va y avoir un vilain petit canard et que euh, l'iPhone 8, enfin, l'iPhone des 10 ans ou 8, ou je ne sais pas quoi, serait l'iPhone à éviter. Donc. Euh, moi, enfin, j'irai pas jusque là, Donc, mais, mais. Bah, moi, j'irai quand le même vista. le dire, quand même. Hein. <laughs> Jérôme, ton avis sur euh, ce système de reconnaissance faciale Tu as testé sur le Galaxy S8, notamment. Bah, justement, est-ce que Apple ne chercherait pas à faire ce que Samsung a fait, mais un peu raté à mon avis C'est de mixer euh, plusieurs méthodologies. Euh, imaginez justement si euh, le lecteur d'empreintes sous l'écran, ça marche, mais c'est un peu plus lent que ce qu'on connaît aujourd'hui. Apple peut très bien dire, on va mettre un, un imageur 3D pour, en gros, quand vous prenez votre smartphone, pour qu'il s'ouvre, pour le, le délocage. Mais par contre, quand vous payez... Ça prend un tout petit peu plus de temps, mais on garde l'empreinte digitale pour payer. Et puis, si vraiment vous voulez que ça soit hyper sécurisé, vous êtes chez vous. Vous pouvez même lire votre, votre Iris pour avoir le total sécurité. C'est-à-dire avoir trois niveaux de sécurité avec plusieurs méthodes qui s'harmoniseraient en fait entre elles. C'est vrai que est-ce qu'on a vraiment besoin de mettre son empreinte digitale à chaque fois quand on lève son téléphone Peut-être pas, et que s'ils ont une bonne reconnaissance 3D du visage et que ça marche même quand on est un peu dans l'obscurité ou, ou qu'on a le smartphone sur la table ou quoi que ce soit, ça serait une solution élégante finalement de mixer, euh, mixer les trois. Mmh. Je sais pas euh, si. On aura la réponse, c'est vrai que c'est vraiment un problème important. Je ne pense pas qu'Apple laisse tomber Apple Pay et a trop investi, s'est engagé et vraiment garder un vrai avantage qu'il a aujourd'hui sur la concurrence, euh, même s'il il y a du moins en Europe pas énormément de, de banques qui ont adopté encore ce standard-là, mais, mais c'est vraiment une pratique qui se développe à vitesse grand V, notamment aux États-Unis. Donc euh, il faudra qu'ils y répondent et je, je, je pense qu'ils ont goupillé quelque chose, mais je crois plus à, à l'intervention, à un geste, plus, euh, je pense plus à l'usage. Voilà. Les, les gens sont habitués à, à tout simplement poser son doigt pour payer. Euh, de là, à se prendre en photo, je ne sais pas si ce sera un usage qui. qui euh, qui est assez simple du, pour, le, pour le grand public. Mais là, on aura une réponse dans, dans deux mois, au mois de septembre. Dernier point, presque dernier point de cette émission, un point important euh, les différentes matières et le design. Alors, messieurs, quelle matière adopter pour l'iPhone 8 Quel design Vert ou céramique euh, L'arrivée de l'Apple Watch euh, céramique, l'édition céramique en, en septembre dernier, Didier a fait coller beaucoup d'encre. Tout le monde s'est précipité. Il teste le, la céramique sur l'Apple Watch. Ça veut dire que le prochain euh, iPhone en sera équipé. On a vu que dans la foulée, quelques constructeurs s'y sont aussi. Euh, bah, Ont aussi adopté cette, cette technologie-là. On pense notamment au téléphone de, de, de Xiaomi, hein, le remarquable téléphone euh, Xiaomi, euh, designé par Stark, qui a aussi euh, un système de, de, bord, euh, de sans bord, de 100 bords de, d'écran. De, euh, mais il semblerait que cette euh, rumeur se soit euh, effacée, que c'est encore un peu trop tôt pour Apple. Oui, effectivement, je pense que c'était un vrai test sur l'Apple la, sur Watch. Puis on, on a vu donc on peut le faire maintenant de façon industrielle avec des critères de, de qualité qui rejoignent celles du verre, enfin des, des matériaux utilisés de manière traditionnelle. Après, faut que ça apporte quelque chose. Effectivement, la céramique, je crois que ça laisse passer pas mal les ondes. Enfin, il y, y a tout un tas de en choses. la de conductivité des ondes, c'est remarquable. Ouais. Voilà, mmh. pour Apple, ça peut être intéressant. Au niveau du, du feeling, c'est pas. Enfin, ça fait très plastique. Enfin, hein. quand tu vois l'Apple Watch céramique, de, de, comme ça de loin, elle fait, elle fait pas du tout euh, premium. Mmh. Donc, euh, est-ce que voilà, est-ce que c'est pas un petit peu trop tôt Est-ce qu'on a vraiment la capacité de produire ça à 100 millions, 200 millions d'exemplaires C'est le même problème, effectivement. On a toujours ces, ces problématiques. Ouais. Par contre, c'est extrêmement solide de regarder ces vidéos hein, euh, faites sur, à partir de toujours des téléphones de, de Xiaomi de mémoire, euh, c'est extrêmement euh, solide. Regardez la perceuse, il n'y arrive pas. Euh, c'est vrai que le coût est important. Il suffit de voir le prix de l'Apple Watch, 1499 pour, euros pour une version céramique. Alors, Apple a euh, s'est tourné vers, vers l'existant euh, et est revenu plutôt en, en arrière. On avait l'aluminium sur cette version-ci. Hein. On pourrait croire que le mode de jeu, ce soit du verre, mais c'est bien euh, de l'aluminium. Ça brille, mais c'est de l'aluminium. Et C'est bien le verre qui ferait son retour, comme du temps de l'iPhone 4S, en, en face avant et en face arrière. Euh, et ce qui permettrait, outre les maquettes, outre les rumeurs euh, et les modélisations 3D qui ont fleuri ces derniers mois, euh, ce qui semble confirmer euh, le retour du verre, c'est un contrat qu'a signé avec euh, Corning, le fondateur, le fabricant du fameux verre Gorilla, hein, le premier verre qui équipait l'écran de l'iPhone 1. Un, un investissement de 100 millions de dollars chez Corning, c'est qu'ils vont encore utiliser le verre, a priori. Euh, euh, Jérôme. Ben, là, pourquoi pas un effet de gamme. Euh... Peut-être la céramique pour un iPhone Edition qui serait le 8 en céramique et l'iPhone 8 pour, euh, pour le commun des mortels en verre pour cette année. Euh, ça, ça pourrait marquer le coup, je pense. Marquer... Et du coup, il bon, y, y aurait peut-être le, le céramique à 1500 euros, l'iPhone Edition premium euh, en céramique et puis euh, des iPhones à 1000 euros en verre pour, 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 pour nous autres. Par contre, ouais. euh, souviens-toi Thierry de la rumeur du Saphir synthétique qui avait fleuri il y a 2-3 ans avant l'arrivée de l'iPhone 6. Hein, le Saphir synthétique était utilisé au niveau du capteur Touch ID, encore lui. Euh, Apple avait à l'époque investi 538 millions de dollars dans GT Advanced Technologies avant que cette boîte dépose, euh, fasse faillite, puisqu'il n'avait pas la maîtrise de la production, il ne pouvait pas répondre à la demande d'Apple. Donc ça, ça ne veut pas dire que, que si Apple investit dans une autre entreprise, que ça se traduit automatiquement dans le prochain modèle. Hein. Bah non, hein. d'abord ce n'est pas une grosse somme pour eux en termes d'investissement. Quand même, demi-milliard de dollars, excusez-moi du peu. Mais paille... Non, mais c'est vrai que c'est un... Ils avaient promis à un moment de trouver euh, une alternative pour au faire vert. des, des, des verres qui soient vraiment, enfin des, des, des écrans qui soient complètement incassables, inrayables avec ces, ces trucs synthétiques. Alors on imagine en plus, si on mettait de la céramique au dos, alors le truc on peut sauter dessus à pied joint, euh, y aller, Moi, y aller au Burin, euh, et, euh, et, et ça ne serait effectivement jamais, euh, jamais rayé. Mais en tout état de cause, oui, là, là c'est un, un gros flop de leur part, puisqu'ils y ont cru, mais bon, là, non. Mmh. Dernier euh, point concernant le design, c'est la couleur, c'est important hein, quand on fait du design, et chez Apple, les couleurs sont importantes également, Didier. Euh, la plupart des maquettes qui ont circulé, c'était plutôt du noir, ça a du sens, puisque le noir... Euh, et ça se situe mieux avec les bords affleurants. Ça fait qu'on ne voit plus la différence entre l'écran et le châssis. Il y a quelques images de Martin Hayek, un célèbre designer qui, chaque année, nous fait des magnifiques prototypes d'iPhone. Regardez, en blanc, c'est joli aussi, mais c'est vrai que l'effet waouh est moins important. Mais Olivier, est-ce qu'on peut pousser un petit coup de gueule quand même Allez, pousse un coup de gueule. Parce que moi, je trouve que Apple, en ce moment, ils se repose un peu sur leur laurier en termes de design, en termes de couleur bah, Si tu veux. Ma... Euh... Bon, c'est pas ce sur l'iPhone 7, plus. Enfin, quoi. il a tu arrêté vois... de bosser, je pense, tout <laughs> simplement. <rire> non, mais on, sur l'iPhone 7, c'est vrai qu'ils ont fait un petit effort avec ce noir mat qui est joli, et puis le, là, le noir de jet. Ouais. C'est vrai que c'est des choses qu'on n'avait pas vues depuis longtemps, mais bon, quelque part, tu vois, ça rappelle un peu l'iPhone 3G. Et le, hein. rouge. Et le rouge, le rouge, attends, le rouge. Voilà, red, le rouge. De toute beauté, mais regarde le nombre de... de on voudrait de, de, des choses plus, même plus colorées. Là, tu, tu vois, dos. les iPod touch, il y a des choses quand même qui sont très jolies. Euh, je trouve que Je sais pas, les iPhones, ils se ressemblent un peu tous là depuis quelques années. Et... C'est peut-être là où une taille unique peut amener quelque chose. Ils peuvent peut-être mmh. faire plus de couleurs si l'iPhone 8 sort euh, ou Edition sort en, en taille unique. Mmh. Je pense que toi, ces couleurs... couleurs dorées. Euh, Qu'on a eu là euh, fait, ouais, pour euh, en fait, euh, faire un peu plaisir aux, aux, aux Asiatiques. Euh, ouais, ouais, au bout d'un moment, on s'en lasse quand même Pigara, très bien. Si tu tout, mais je trouve qu'ils n'ont pas beaucoup modernisé. On a eu le rose à un moment, mais ah, ma il... maintenant, rose je trouve gold. que ça commence à devenir un peu. Euh... Bien, allez, on, on, on va s arrêter de s'intéresser à ce qu'il y, qu y a autour de la, au design de l'iPhone. On va s'intéresser maintenant à ce qu'il y a sous le capot. Sous le capot, qu'est-ce qu'on devrait trouver cette année de sous le capot de l'iPhone 8 Bien sûr, une nouvelle puce, nouvelle génération, sans surprise, d'une puce A12, qui est euh, donc la prochaine génération de la puce designée par Apple. Ce qui a beaucoup fait euh, réagir sur Internet, c'était les réactions, euh, les déclarations d'Imagination, le fabricant des puces graphiques, le fournisseur des puces graphiques de l'iPhone. Et a priori, ils auraient perdu le contrat pour les prochaines générations, euh, de Didier. Oui, alors moi je pense que cette année on aura, il y aura quand même des puces imagination et peut-être même l'année prochaine hein, parce que ça, enfin ça se montre pas comme ça une, mmh. une, un département euh, qui fait des, des, des GPU sur Exactement. Mais c'est vrai qu'eux, ils ont souffert bah, d'être monoclients. Il y a pas mal de gens. Hein. Dès, que, dès que tu travailles avec Apple, faut savoir qu'Apple peut te donner un coup de poignard dans le dos à tout moment. Et eux, ils sont pas énormément préparés, même s'ils avaient quand même d'autres activités. Mais c'est le, leur cotation en bourse et tout. Elles dépendent quasiment exclusivement euh, d'Apple. Et c'est vrai qu'ils bah, ne s'y attendaient pas, surtout d'être lâchés aussi vite. Ils pensaient pas qu'Apple euh, aurait la techno. Et là, ils craignent d'ailleurs qu'ils aient recruté un peu leurs ingénieurs, euh, qu'ils leur aient volé de la technologie. Et je pense que ce truc-là, c'est vrai que ça peut faire des procès euh, assez longs et qu'ils qu vont être peut-être obligés de sortir le chéquier assez vite, en fait. Donc, après avoir designé sa propre puce, Apple pourrait. Euh, et pourquoi ils ne l'ont pas euh, J'espère que ce sera de bon augure pour, pour, pour nos Macs qui ne euh, sont pas toujours taillés, euh, dotés de bons euh, GPU, ce qui n'est pas le modèle de ce, ce modèle-là, fort heureusement. Euh, où les rumeurs sont à peu près euh, d'accord et unanimes, tous les, les sites et médias possibles, si imaginez autour du futur euh, composant qui devrait arriver sous le capot de l'iPhone 8, c'est la recharge par induction. D'abord, Apple a rejoint le consortium Wireless Power pour euh, équiper, euh, rejoindre le standard euh, Qi, hein, prononcé Qi mais c'est Qi, euh, qui est aujourd'hui plus utilisé dans le monde. Euh il y avait MacRumors, précisément, qui, 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 a, qui a fait uh, état qu'il y aurait cinq groupes de travail au sein d'Apple qui travailleraient sur l'implémentation de cette technologie, voire pour l'améliorer, hein, parce qu'il se dit également qu'Apple aurait trouvé une solution de recharge à distance, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas poser euh, le téléphone sur la, le, le, la plaquette qui permet de recharger par induction. Euh, ce serait une vraie valeur ajoutée. Mais la vraie difficulté, et c'est la raison pour laquelle Apple ne l'avait pas adopté jusqu'alors, c'est le temps de charge. Hein, Jérôme, qui est assez long, dans, notamment chez, chez Samsung, il y a le temps de charge et puis la déperdition aussi. Apple, quand même, essaye d'avoir une image verte. Euh, ils auraient du mal à faire passer une recharge sans fil où il y aurait une grosse déperdition d'énergie qui prendrait trop de temps. 10 Déjà, et Tu en tu n'en tu utilises tu que deux ou trois, quoi, en fait, c'est ça Pardon oui. Tu consommes 10 watts et tu n'en utilises et finalement exactement, que Exactement. Ce qui, mine de rien, sur une année, représente quand même une petite somme. Quand on vend 200 millions d'iPhone, oui. Voilà. Et euh, là, il serait vite accusé, quand même, euh, de ne de, de pas être un produit bien très vert. Donc, c'est, à mon avis, euh, ça à mon avis, ils y travaillent depuis très longtemps, la recharge par induction, parce qu'en termes de design, s'ils arrivaient à faire disparaître la dernière prise de l'iPhone, la Lightning, on n'en a plus besoin. Là, ça serait le rêve chez Apple. Eux qui adorent faire disparaître euh, des prises, s'ils arrivaient à faire même disparaître la prise de bah, recharge. Ils adorent faire disparaître des, pr des prises, soit pour te, te faire acheter des adaptateurs, soit pour t'obliger à être dans un univers propriétaire. Habile transition euh. Euh, Jérôme, il euh, y a beaucoup de rumeurs sur la disparition du port Lightning, le fameux port propriétaire euh, de l'iPhone euh, au profil USB-C qui est apparu sur les, sur les Mac ou encore le Thunderbolt 3. Euh, J'ai du mal à y croire. Euh, par contre, il y, y, y aura une possibilité, et ça semble logique Thierry, que dans la boîte, on trouve non pas un câble euh, USB-A classique Lightning, mais un câble Lightning euh, USB-C, puisque bah, aujourd'hui, la plupart des Macs sont USB-C. Oui, enfin, il les deux. Ouvrez les, les deux parce que là tu rêve. Non, <laughs> non mais c'est un vrai c'est un vrai sujet ça ouais. c'est euh, aujourd'hui quand on achète aujourd'hui un iPhone et qu'on a effectivement ce dernier Mac es tu obligé un de... adaptateur. es obligé un adaptateur ou un, ou, nouveau de... ou un nouveau câble voilà bon Donc, mais je ne crois pas qu'ils mettent les deux dans la boîte hein. Ce n'est pas, euh... pas dans leur habitude hum. de toute façon euh, après est-ce qu'ils vont mettre un faire disparaître le, le Lightning pourquoi faire y a, Il y a, y a des... de là, beaucoup d'argent en réalité autour oui, de des des, oui voilà il y a des puis y a des donc ça semble probable puis on a vu des casques qui sont arrivés dessus donc euh, ouais. là c'est les peintures sont encore trop fraîches hein. déjà ils ont fait un effort extraordinaire pour supprimer la prise casque l'année dernière ils ouais. ouais. avaient pris un... un danger extraordinaire énorme, énorme. tu imagines bon. la place qu'ils ont gagnée grâce à ça Oui, c'est 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 enfin, peut-être ça permet surtout de, de, de pouvoir mettre les téléphones dans les, dans les toilettes, à mon avis. Ouais. Mais, enfin, mais dans l'eau des, ouais, des toilettes. Oui, dans l'eau des toilettes, oui, pas dans les toilettes. Mais en, en tout état de cause, oui, bon, non, c'est très peu. Voilà. Je ne vois pas trop l'intérêt. La, la dernière rumeur qui, euh, qui, euh, qui apparaît, c'est sans assez crédible, c'est l'arrivée, la, on parlait des perditions de, euh, électrique, euh, l'arrivée d'un chargeur plus puissant de 10 watts pour une recharge plus rapide, effectivement, ça doublerait, passerait de 5 à 10 watts pour une recharge. Euh, rapide, le même chargeur qui irait en gros sur les iPads aujourd'hui. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'il y ait un système de recharge rapide qui existe dans le monde Android, notamment Jérôme, un hein, mode turbo. Oui, tout à fait, mode turbo. Et aujourd'hui, c'est vraiment le talent d'Achille, moi, je trouve, de tous les produits iOS, c'est leur temps de recharge. Euh, L'iPad Pro, c'est une catastrophe. Hein. Le câble qui est fourni et le chargeur qui est fourni avec, ça met une nuit à recharger. J'ai l'impression d'avoir 10 ans de retard. Donc euh, là, moi, ça fait quasiment 5 ans que je recharge mes iPhones avec des chargeurs d'iPad. Donc ça serait temps qu'ils nous les mettent dans la boîte et que pour l'iPad, il y a un chargeur plus puissant. Quoi. Ouais, et puis dernière breaking news pour finir un composant nouveau qui arriverait euh, sous le capot de l'iPhone 8, c'est l'arrivée de l'Apple Neural no Engine, euh, Kazako Didier, c'est une puce qui serait utilisée pour la reconnaissance spatiale, on en a parlé tout à l'heure, mais aussi la, la reconnaissance de la, de la voix et, et permettrait de d'alléger de de, 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 la, pu, la, la puce principale et donc consommer moins d'énergie et, et permettre d'avoir une autonomie accrue. En fait, c'est le grand retour des coprocesseurs qu'on a connus dans les années, enfin moi je pas là, mais euh, les années 70, 80, et euh, remercie, où, effectivement merci. le processeur principal n'était pas assez puissant. Donc dès que tu voulais faire un truc un peu compliqué, on te mettait un petit coprocesseur pour un faire coprocesseur ça pour un coprocesseur arithmétique. Voilà, on avait tout un tas de choses. Il bah, y a eu le, le, effectivement les coprocesseurs dans l'iPhone, il y en a déjà quelques-uns. Donc euh, plus en fait tu, tu fais de la, de la, du hardware... Pour, je dirais un usage courant, plus tu, tu économises de l'énergie, puisque le, le processeur, lui, il peut tout faire, mais euh, voilà, il, il consomme quand même plus de courant. Et puis, c'est aussi du, du temps de calcul. Enfin, faire tourner un processeur en permanence, ça, ça coûte du courant aussi. Donc, euh, voilà, des, des, des coprocesseurs, on peut pas en mettre à l'infini. Donc, on est obligé de segmenter sur les, les domaines euh, dont, dont on a besoin. Et effectivement, si tu passes ton temps à déverrouiller ton téléphone euh, et à, à lui parler, ce serait peut-être pas mal au niveau de l'autonomie. Ils vont peut-être avoir un problème d'autonomie quand même avec ce téléphone plus petit et qu'un écran. Plus grands et ils cherchent aussi des moyens d'économiser euh, au maximum euh, ça. Donc. Surtout qu'on a vu lors de la WWDC qu'Apple a aussi beaucoup d'appétence en matière de réalité augmentée et de réalité virtuelle. Est-ce qu'il y a aussi euh, une de la matière à développer quelque chose et de processeurs dédiés à ça Je pense plutôt à ça. Moi, personnellement, il y a un, un excellent article dans la Monday Night il y a quelques semaines de notre ami Jean-Louis Gasset qui parle. Euh, Comment Apple, avec ce type de chip qui serait vraiment optimisé pour la, la réalité augmentée et la réalité virtuelle, apporterait une valeur ajoutée par rapport à la concurrence qui, elle, serait obligée d'utiliser le processeur central pour faire ses calculs et donc euh, consommerait plus d'énergie. Allez voir l'article du Monday Note de euh, Jean-Luc Gasset. Pour conclure et vraiment être euh, complet sur sous le capot, le Bluetooth 5.0 devrait évidemment, évidemment sans, sans doute, arriver dans le prochain iPhone en plus de l'airplay. 2 et on devrait rester autour de 3 Go de mémoire. 3 Go de mémoire, c'est la mémoire aujourd'hui dans l'iPhone 7. La question, c'est est-ce que Apple va suivre la même tendance avec l'iPhone 8 euh, qu'avec l'iPad Pro, qui, avec, qui est équipé en matière de stockage jusqu'à 512 Go Un téléphone avec 512 Go, il va coûter très très cher du prix on en parle. Dans le prochain Quand sera disponible l'iPhone et surtout à quel prix euh, La présentation en septembre ne semble pas poser de doute. Le euh, lancement par contre de l'iPhone 8 semble un peu plus tard. On parle d'octobre voire novembre pour Bloomberg. On parle pour d'autres oiseaux de mauvaise augure comme la Deutsche Bank euh, début 2018. Est-ce que vraiment Apple peut se permettre de, de louper Noël Moi je n'y crois pas une seconde Didier, ce serait une, une catastrophe thermonucléaire. T'imagines un iPhone 7S avec juste un processeur qui change et ils n'auraient même pas de quoi faire une keynote avec bah, ça. Un peu comme l'iPhone 7 cette année. <laughs> Par contre, non, mais ce qu'ils peuvent faire, c'est... Je ne veux, pas, je veux pas exagérer, mais c'est un peu ce qui s'est passé l'année dernière. Hein. Tu avais quand même pas mal de nouveautés cette année le Ah hein, ouais, ouais, et quatre, bien, tout enfin, ça. Ouais. Mais là, effectivement, euh, ce serait compliqué. Par contre, ce qu'ils peuvent faire, c'est faire ce qu'ils ont déjà fait, c'est-à-dire annoncer des produits pour... Dans... Oh, regarde, l'iMac Pro est annoncé pour décembre. Ouais. Donc, euh, ah, bon, là, sur l'iPhone, ils n'oseraient pas je faire Je pense qu'ils vont aussi l'iPhone 8 mais... que l'iMac Pro. Exactement. Que... Moi, je vois bien le, le lancement pour novembre, tu vois. Puis on te met novembre, ça va être fin novembre, début décembre, puis on aura des petites quantités. Pour laisser là, en début d'année. Euh, Jérôme, ça, tout ça va, va nous conduire à un prix qui semble à, 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 relativement à la hausse. Si euh, les planètes s'alignent et qu'effectivement Apple dégaine une gamme complète avec des iPhone 7S euh, au prix aujourd'hui des iPhone 7, euh, on peut penser que l'iPhone 8 euh, dépasse largement les 1000 euros, malheureusement. Oh bah oui, là on est dans ces sphères-là. De toute façon, il sera trop cher, hein, comme par définition. Toujours euh, avec un Apple. iPhone, c'est toujours trop cher. Bah oui. Euh, mais oui, oui, oui là euh, on va on va flirter avec les 1000 euros facilement. Euh. Après, euh, c'est pour ça que je verrais bien un, un SE sortir avec un prix beaucoup plus agressif. Euh, quand on voit les baisses de prix là sur euh, sur les SE et tout ça. Et, un bon, petit, un bon petit cheval de Troie pour, pour un peu embêter le monde Android en faisant des iPhones un petit peu moins chers. Ouais. Surtout qu'il y a a priori un petit peu un mortier, hein, Didier, ce téléphone. Donc, il, il coûte mmh. moins à produire qu'il y a quelques oui. années. Ils, et il... ils vont aussi garder l'iPhone 7. Hein, oui, le... il oui, ouais. euh, y a plus C'est l'iPhone 7 qui passerait à la trappe. Il y a eu une rumeur autour du prix. Euh, il coûterait 1000 euros, mais Apple offrait, offrirait des AirPods, donc les fameux, les fameux euh, oreillettes sans fil d'Apple. Est-ce que vous y croyez Moi, je n'y crois pas une seconde. Apple fait un cadeau, mais vous faut rêver, les gars. <laughs> Surtout qu'ils n'ont pas fait beaucoup de cadeaux dernièrement, ouais. hein, au final. Donc, euh, ils en font rarement. Mais bon. après tout. Ce serait logique quand même. Je veux dire, si tu non, ce n'est pas logique. Logiques, tu, les tu achètes, tu les écouteurs veux... C'est y a l'infini dans tes téléphones. Non, mais même les adaptateurs. Pratique, écouteurs Lightning, c'est une horreur. Ouais. Didier, mmh, euh, Thierry. Oui, même les adaptateurs USB-C, là, euh, ils les ont vendus moins cher, mais ils ne les ont pas donnés. Hein. Ils ne les ont pas donnés. Mais moi, je n'y crois pas. Mais je serais agrément surpris. J'adore me, me tromper. Je suis un peu le rente-en-plan des rumeurs. Et dernier euh, point concernant cet iPhone 8. Est-ce que c'est vraiment un iPhone 8 Qu'est-ce que vous en pensez C'est vrai que c'est les 10 ans d'Apple. Qu'Apple voudrait marquer euh, peut-être le coup avec une, une série spéciale. On parle d'iPhone édition. Euh, allez, on fait un petit tour de table et on conclut là-dessus. Didier. Eh ben, en fait, quand tu regardes l'historique, le nom de l'iPhone, c'est le truc qui fuit au dernier moment. C'est-à-dire que même Apple, ça se trouve ouais. des fois, il... Je pense que c'est le. La décision qu'ils prennent assez tardivement. Mais c'est pas marqué derrière, hein. Il n'y a pas marqué ouais. iPhone. Donc 7, avant qu'il. Il, les... il faut iPhone. que tu fasses les boîtes. Euh, voilà. Donc c'est au le moment truc. du packaging, hein. Exactement. Donc, bon, Moi, je, moi je, je crois bien à, à autre chose qu'un iPhone 8, parce que je trouve qu'effectivement, pour les 10 ans, il pourrait faire quelque chose. Mais Apple n'aime pas les anniversaires. Alors, ouais, euh... ouais. Bon, spéciale édition avec l'iPhone. On sait que, mine de rien, Samsung l'aurait passé devant aussi sur la numérotation. Ils arrivent avec 3 ou 4 mois d'avance, voire 6 mois d'avance, parce que le Galaxy est présenté au mois de mars, avril en général. Et ils sont déjà sur le 8. C'est peut-être une manière de, de, de sortir de ce problème en disant j'achète un iPhone 7 ou un Galaxy S8, il n'y aurait plus de problème s'il n'y avait plus de numérotation, Jérôme. Oui, il y a ça. Après, moi, je verrais bien euh, l'iPhone Edition pour euh, peut-être un certain degré de finition. Euh, euh, pourquoi pas de la céramique pour l'Edition et un iPhone 8 euh, euh, un peu plus accessible. Bon, je vais pour les collectionneurs, le, il s'appellerait Edition et pour, pour les autres, il s'appellerait 8. Bon, J'ai commencé à économiser de suite, je ne sais pas si en deux mois je vais mettre assez de sous de côté, je, je, je crois un peu. On doit encore acheter du matériel pour refaire le Mac, va, je ne suis pas sûr qu'on puisse acheter un iPhone 8 spéciale édition céramique. Euh, dernier point que je voulais évoquer avec, où, avec vous, c'est quand même curieux messieurs, on l'a dit en amont de cette émission, de voir autant de rumeurs autour d'un modèle de téléphone. On sait qu'il y a une grande appétence, qu'Apple a, a joué la montre avec ce modèle-là qui n'était pas une franche rupture par rapport au modèle précédent. Mais quand même, est-ce que quelque part, ce ne serait pas un signe avant-coureur qu'Apple joue avec la rumeur et l'orchestre cette année Parce qu'ils ont pris du retard, tu l'as dit Thierry tout à l'heure, et qu'ils auraient besoin de dire, regardez, vous euh, n'achetez pas le Galaxy, on va faire mieux dans trois mois. Quoi. Bah, ça les arrange. Ça les arrange. Là, oui. Pour la première fois, là, le, le simple fait d'avoir vu dès le départ qu'il y aurait euh, effectivement les, 7, euh, les, les les nouveaux 7 plus le 8, en fin de compte, là, ça s'est installé. Hein. Ce n'est même plus une rumeur, tout le monde en parle. Donc, moralité au niveau, de, au niveau des, des, des marchés boursiers, ils s'y attendent. Donc, je pense que là, l'effet les d'aubaine ben pour Apple est top parce que là, ils ont préparé et, les, et, leurs, et leurs consommateurs et, le, et les marchés financiers à ne pas avoir une déception, de ne pas voir une entreprise comme Apple être capable de réellement renouveler au bout de dix ans euh, leurs produits stars. À qui profite le crime, Jérôme Tu crois au fait qu'Apple, quelque part, n'est pas si étranger à la fuite de, de, de tous ces produits ces dernières semaines bah, je pense, de toute façon, le contre-espionnage est le meilleur moyen de lutter contre l'espionnage. Donc, euh, euh, oui, je pense qu'il y a une part de rumeurs. Enfin, on sent que Apple maintenant, sait un peu orchestrer tout ce petit monde. Le monde dont on fait partie, des chroniqueurs tech, on sait qu'un article sur Apple, sur l'iPhone. Euh, génère tellement plus de trafic que n'importe quel autre article, c'est dingue encore de voir ce phénomène. Mmh. Parce que je crois que même ceux qui détestent les iPhones viennent lire cet articles. Il y a plein de gens Alors... qui détestent Apple et qui nous regardent, merci, mais je ne euh, voilà. détestent pas. <laughs> Alors que quand tu fais un article sur Android, il n'y a que ceux qui s'intéressent à Android qui ouais, viennent le lire. Ouais. Ouais. Euh, donc euh, Apple est tout à fait conscient de ça. Voilà, donc euh, oui, c'est évident que maintenant, ils ont une certaine maîtrise de, de ce genre de phénomène. Quoi. Mmh, mmh. Euh, on parlait justement de d'anti-espionnage. Euh, Didier, on a vu paraître il y a quelques semaines des, des articles justement le système de... De sécurité d'Apple, qu'Apple, que Tim Cook avait tapé du poing sur la table. Et il disait, j'en ai assez de toutes ces rumeurs. C'est vrai qu'il n'y a plus d'effet de surprise lors des Apple Events aujourd'hui et des keynote, euh, Qu'il aurait embauché un ancien haut responsable de la NSA, ni plus ni moins, euh, pour les mettre aux commandes de la sécurité d'Apple et faire en sorte qu'il n'y ait plus rien qui fuit des usines d'Apple. Bon courage, vu le nombre d'exemplaires d'iPhone qui sont produits en amont, hein, plusieurs dizaines de millions. Donc, comment faire en sorte qu'un iPhone ne sorte pas du manteau J'ai du mal à y croire. Euh, quel est ton avis, Didier en fait, il y, y a deux sortes de fuites. Il y a les fuites euh, que tu trouves chez justement KGI, euh, chez Bloomberg, qui sont des fuites qui viennent de Cupertino. C'est-à-dire c'est des gens, peut-être qu'ils sont payés, peut-être qu'ils voilà, en ont marre. Oh, Apple chose, <rire> <rire> non, mais bon, on, on a tous vu des fuites passer, on savait pourquoi les gens laissaient fuiter oui. ces infos. Donc, euh, Comme Apple ne peut pas communiquer. Exactement. Mais ah ces, ces fuites-là, effectivement, ils, 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 ils peuvent écouter les gens. Ils ont une certaine maîtrise quand même. Et ils, des fois, ils génèrent des fausses fuites pour voir, pour voir où ça va et qui les sort. Donc, mais ça, c'est quelque chose qu'ils qui maîtrisent bien. Ça fait longtemps et c'est assez contenu. Là, le problème qu'ils ont, c'est un problème euh, purement euh, mécanique. C'est-à-dire que bah, quand tu produis des coques à des, des échelles comme ça, euh, il, y a des, il y a énormément d'ouvriers qui les voient. Donc, euh, eux, ils savent à quoi elles ressemblent. Euh, et puis, euh, c'est facile quand même. Enfin. C'est relativement facile de faire sortir ces produits. Il y, y a eu énormément d'articles donc de, de, qui parlaient de la sécurité dans les usines et de la façon dont, dont, dont ils mettaient la pression sur les, les ouvriers. Et, euh, et puis il y avait des, des filles hein, qui étaient obligées d'enlever leur soutif avant de rentrer dans l'usine parce que ça bipait. Et puis petit à petit ils sont fait taper sur les doigts parce que ça commençait à être un petit peu too much. Donc euh, de toute façon on, on, ils, ils y arrivent à en sortir. Ils y arriveront toujours. Et je pense qu'Apple n'arrivera jamais à, à endiguer ces, ces fuites là. Et il faut savoir aussi que les ouvriers donc, sont payés. Même pas très cher et que ça leur euh, rapporte beaucoup d'argent euh, de revendre ça et de revendre ça à qui Aux accessoiristes qui eux veulent être prêts le jour J. Et maintenant, ça fait quand même euh, 4-5 ans, je pense, que quand l'iPhone sort, tu as déjà les accessoires. Et c'est un truc, avant, il fallait six mois, et Apple avait, justement, on pouvait vendre ses propres accessoires quasiment, ils avaient le, un boulevard pendant, pendant deux, trois mois. On peut déjà donc, acheter euh, des coques, précommander des coques pour iPhone 8 ouais, aujourd'hui. Effectivement, bah, d'avoir embauché ce, ce, je sais plus, le nom de, 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 de ce homme-là, là, qui, qui est vraiment un expert en sécurité, mais je pense qu'il va, il va encore renforcer, euh, renforcer les usines, et ça va, ça va encore polémiquer autour de ça, mais qu'au final, c'est... Bah, je comprends que ça les énerve, mais à un moment, c'est aussi le jeu, quoi tu es, es, es le numéro un mondial, tu peux plus tout, tout garder secret. comme quand Lâche, ouais. Et on a vu que, que Apple n'arrivait finalement qu'à garder le secret que sur des produits euh, qui sont pré annoncés c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en production. Et là, effectivement, on n'est pas tenté de, de, de les chipper sur les lignes de production. Euh, on l'a vu avec l'Apple Watch, on n'avait rien vu auparavant. On l'a vu avec l'iMac Pro, euh, bien, il n'est pas encore produit. Donc, euh, on a même juste, juste eu une image. Donc, on n'avait rien vu fuiter auparavant. Euh, L'iPhone Edition, tu l'as très bien dit. Euh, 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 Didier euh, il faut le pré-produire faire des, 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 pas mal de prototypes de tests et euh, il est difficile de, de garder l'anonymat sauf si évidemment on l'oublie euh, dans un bar à bière comme il y a quelques années pour l'iPhone 4 c'était le bon temps euh, chez Apple voilà on essaie d'être le plus précis possible autour de l'iPhone 8 ou l'iPhone Edition on verra en septembre prochain on sera en rendez-vous bien sûr pour un live pour couvrir l'événement soyez au rendez-vous on passe tout de suite au coup de cœur les coups de cœur et on commence tout de suite avec Didier oui, et mon coup de cœur, Olivier, il va te surprendre un peu cette semaine. Mais euh, comme on teste donc les, les nouveaux MacBook Pro, j'étais assez sceptique sur leur MacBook Pro 13 pouces d'entrée de gamme là. Ils ont, ils ont fait baisser le prix, il est maintenant ouais. seulement à 1499 euros sans la Touch Bar. Mais sans la Touch Bar et surtout ils, ils ont fait un gros coup de, dans, dans la capacité. En fait, il est, il est uniquement avec 128 Go, donc ce qui est quand même pas beaucoup. Le disque dur. Mais... Ouais. voilà qui peut éventuellement suffire euh, à, à certaines personnes qui utilisent beaucoup le cloud et ces choses-là mais ce petit portable l'air de rien il est quand même assez puissant je l'ai testé euh, quelque part la touchbar euh, enfin là vous pourrez le lire dans mon test mais moi je trouve qu'elle est quand même assez superflue accessoire et... Aujourd'hui, ceux qui ne voilà, qui sont pas satisfaits du MacBook parce que c'est n'est pas assez puissant, parce qu'il n'y a pas assez de connectique, bah, finalement, cette machine, euh, je trouve qu'elle commence à, à faire un petit peu son trou. Et cette année, avec le petit coup de boost Kaby Lake, là, ça lui a donné un, une sacrée pêche. Donc, euh, donc voilà, je pense que ça peut être un, un petit portable finalement assez intéressant euh, pour. Voilà, pour ceux qui ont les moyens quand même. 128 hein. Go. Ouais, enfin, 128 gigas, 128 gigas ça, ça sent vraiment dérisoire. Mais tu tu peux le booster vu. à 256 ouais. pour pas trop... Ouais, je disais il y a 5 ans, si on avait MacBook Air, hein, les besoins ont vraiment augmenté en ce domaine. Mais c'est vrai qu'Apple serait aussi... Euh, aurait de bon ton de, de baisser le prix aussi du MacBook tout court et, la, et soit devienne le nouveau MacBook Air en termes d'entrée de gamme. Mais là, encore une fois, pour l'instant, c'est un vœu pieux. De ton côté, euh, Jérôme, ton coup de cœur. Alors, <coughs> Moi, ce n'est pas un objet qui date. Euh... Enfin, il date un peu, justement. C'est le Logitech Key2Go. Petit. Alors, moi, je l'ai bleu. Il existe en rouge. Il existe en noir. Pourquoi je l'adore C'est parce hein. que je déteste Pour tous ceux qui les pas claviers. Image. Voilà, euh, c'est un clavier. Je déteste tous les claviers que propose Apple pour les iPads. Euh, je l'ai montré dans mes vidéos. Je n'ai pas aimé non plus le gros Logitech, le, le Create. Celui-ci, il est tout léger, il coûte 30, 30 euros, il se glisse dans le sac. La batterie, euh, en un an, ça se décharge pas. Euh, à 30 euros, c'est presque du clavier jetable. Enfin, si vous l'abîmez, c'est pas bien grave. Il est étanche surtout en plus. Hein. Et il est étanche. Moi. Alors, j'ai une utilisation ponctuelle du clavier. Je saisis pas tous les jours sur mon iPad avec le clavier, mais je traite quand même tous mes mails avec l'iPad. Et je suis ravi de ce, de ce key to go de Logitech. Et je, je l'ai mis d'ailleurs, je l'ai testé en vidéo sur la chaîne, si vous ouais, voulez en savoir. C'est un clavier Bluetooth. Et c'est pas cher mmh. et c'est un super clavier, effectivement. Merci, Jérôme. Euh, Thierry, ton côté Je n'ai bah pas, coup de, pas de, coeur. de coup de cœur, là. J'ai un vrai coup de gueule cette semaine. Ah, c'est contre la fracture numérique avec les personnes âgées. Kizako. Kizako, ben, tu, 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 on a tous des personnes âgées dans notre environnement qui utilisent très bien des ordinateurs, des smartphones et autres, mais qui maîtrisent très mal tout mais ce qui est... Nos enfants nous considèrent comme des personnes âgées. Hein, oui. De dire. oui, absolument, <laughs> je sais, je sais. Mais tout ce qui est téléphonie, ouais. donc les abonnements téléphoniques, c'est absolument euh, ingérable pour eux. Hum. Donc dernièrement, moi, j'ai eu deux blagues, deux blagues la même semaine et avec deux opérateurs différents. Hein. La première, c'est SFR, ils sont sensationnels. Vous installez euh, un abonnement à une personne âgée qui ne l'utilise pas toujours euh, à fond. Hein. Ils, appellent, ils, ils appellent la personne, ils lui proposent « Ah, mais on va vous proposer une solution moins chère. » Et là, c'est le drame. Parce que la personne se retrouve avec, euh, aujourd'hui, des abonnements. Moi, ça a été le cas. Un abonnement de, 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 de voix limitée. Et dépasser cette limitation, oui, accroche-toi, c'était du... Euh, euh, du 3 euros les 10 minutes. Surfacturation. En surfacturation. Ah ouais. Donc en gros, le cadeau revient très très cher. Et ah. après, pour redemander à faire augmenter, euh, à revenir à. C'est pas possible. Sous euh, la période dite de, euh, des 4 semaines et demie, là, de, des 5 semaines, du mois. Euh, pour terminer la, 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 Voilà. Donc euh, vous retrouvez une personne comme ça qui change son numéro de téléphone. Euh, qui, euh, voilà. Et puis l'autre côté, c'est aussi euh, des. des comme je dis maintenant, c'est bien les, 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 la, la, d'avoir des interfaces de maintenance euh, uniquement numé digitales. Elles sont fantastiques. Moi, je trouve ça génial, notamment chez Orange. Oui. Mais quand c'est une personne âgée, elle tourne en rond, elle devient folle. Les, les services... Nous voilà, hein, les quoi. services... Voilà, exactement. Et là, on est obligé d'intervenir. Et j'aime mieux vous dire que là, j'ai passé 4 ou 5 appels euh, successifs à essayer de régler juste un petit problème d'un abonnement téléphonique dans une maison de vacances. Un truc mais incroyable parce que les types en boutique expliquaient à donc à ma, à ma chère belle maman qu'il fallait impérativement qu'elle connecte son, son téléphone sur la box alors que c'était une prise murale qu'il fallait qu'elle utilise derrière un filtre ADSL. J'aime mieux vous dire que c'est donc juste petit message donc un foutez-leur la paix, à ces personnes-là et deuxièmement euh, apprenez correctement euh, en boutique à savoir ce que vous vendez. Ah oh, ça fera gagner un temps de folie merci. Ouais. Et Puis le respect des personnes âgées c'est quand même important par les temps qui courent. Qu'on puisse dire. De mon côté, un coup de cœur, c'est encore un produit Logitech. On ne s'est pas concerté avec, avec oui. Jérôme tout à l'heure, mais moi, c'est euh, une souris. Oui, on peut encore innover avec une souris. Logitech Le Pro, avec ce modèle, c'est la, la MX Master, celle-ci Anywhere 2S. Il y a la Master 2S également. Euh, quelle est l'originalité de, de, de cette souris hein, Une souris sans fil, elle fonctionne aussi bien en Bluetooth ou via le système RF du constructeur euh, suisse, c'est la fameuse fonction Flow. Euh, Flow, c'est euh, une fonction qui permet de piloter deux voire trois ordinateurs posés sur le même bureau, que ce soit aussi bien des PC ou des Mac, avec la même souris. En clair, un peu comme si vous, ayez, vous avez utilisé plusieurs moniteurs autour de votre Mac ou passez d'un ordinateur à l'autre en simplement mettant la souris euh, dans la, sur, le, sur le coin droit de, de l'écran et ça passe automatiquement sur l'écran du PC ou l'écran du second Mac. C'est assez bluffant. Mieux, il est possible de réaliser des copiers-collés entre les différents environnements via le cloud de Logitech et on retrouve tous entre les différents ordinateurs. C'est bluffant. C'est pas très cher, ça vaut entre 90 et 109 euros. C'est un peu cher pour une souris, mais vraiment, euh, la fonction Flow, j'ai trouvé ça assez. assez euh Assez, assez intéressant et assez bluffant. C'est pas loin de la, de la solution avec euh, Drive qui permet de retrouver tous ces environnements chez Apple, mais là ça marche aussi bon, bien entre un PC et un Mac. Autre euh, coup de cœur à notre partenaire Dailymotion qui, ne, qui nous soutient depuis des années. On attendait depuis longtemps une refonte de l'application mobile. Elle est enfin arrivée. Euh, Dailymotion qui a enfin décidé de valoriser les contenus premium et éviter de, de vouloir absolument proposer d'être en frontal avec, avec YouTube. Euh, donc le site euh, assigne des partenaires privés déjà Avec des grands groupes de euh, médias, on pense bien sûr à Canal, mais aussi euh, Mac Forever ou encore on refait le Mac qui a été sélectionné, donc merci à eux. Euh, donc vous aurez plus de loisirs à personnaliser le contenu et il y aurait moins de publicité, on en est heureux parce qu'ils avaient tendance à bastonner un peu trop. Et malheureusement, ce n'était pas notre faute, ce n'est pas nous qui décidions du nombre de coupures, donc ce sera plus cool. Essayez la nouvelle application euh, Dailymotion et vous allez voir que elle est vraiment géniale. Et surtout, il y a une petite fonction qu'on a donné depuis longtemps la possibilité de télécharger une émission pour pouvoir l'avoir connexion avant de partir en vacances si vous voulez regarder on refait le mac dans l'avion et enfin un dernier coup de chapeau à, à mes anciens collègues du magazine iCriate qui accueille euh, qui cette semaine euh, sort une nouvelle formule une belle nouvelle formule consacrée euh, regardez aux nouveautés de la WWDC. Euh, si vous voulez tout savoir sur les dernières nouveautés d'Apple, achetez une nouvelle, nouvelle formule d'iCredit et vous retrouverez tous les mois une page consacrée à au refait le Mac. Et enfin, n'oubliez pas d'un coup de cœur, euh, de... Le... votez pour Rogers. C'est euh, le pseudo de notre réalisateur euh, François Batouin qui participe euh, en ce moment à un concours. Euh... Euh, qui s'appelle The Chase Remix Context, organisé par Wax Taylor. Il a remixé, euh, comme l'ensemble des participants, euh, un morceau de Wax Taylor. Vous pouvez l'écouter euh, en, en cliquant sur le lien, enfin, cliquant, en tapant le lien qui s'affiche à l'écran. Euh, N'hésitez pas donc à voter pour euh, M. Euh, Rogers, alias François Montant, euh, pour qu'il puisse euh, avoir l'opportunité que son morceau soit sélectionné et soit. Pour Vitam Eternam, dans le dernier vinyle de Wax Taylor, ce serait un bel honneur pour lui et pour nous. Et puis, pour écouter la morceau qui sera également diffusé pour le générique de cette émission. Je voulais profiter, puisqu'on a Jérôme avec nous, pour lui rendre mon, mon, un vrai coup de chapeau, parce que je trouve que, tu vois, dans la tech, on est, on, on est beaucoup à hein, faire de la, de la vidéo. Ouais. Et euh, je trouve qu'aujourd'hui, il y a quand même sur YouTube beaucoup de gens qui font de la tech. Euh, euh, sous forme euh, publicitaire on va dire et voilà exactement et qu'il y a beaucoup de youtubeurs en fait qui ne font pas du tout de la de, de... YouTube Tech qui font vraiment de la, de la publicité pour des marques euh, qui les payent et, et, euh, et Jérôme fait partie voilà, de ces chaînes. Enfin, nous, nous, on met un gros poids d'honneur aussi à ça, à vraiment présenter bah, quand il y a des contenus sponsorisés. On le dit, hein, toi tu le dis quand, quand, bah oui. quand tu as des partenaires. Ça se voit. Et, euh, et voilà. Et en, et en France, effectivement, on n'est pas beaucoup à le faire. Et je trouve que voilà, ça, ça vaut le coup de valoriser effectivement ces, ces chaînes là euh, qui mettent beaucoup d'énergie, euh, qui ne sont pas euh, arrosées, euh, donc je le disais par les marques, qui n'est pas, pas des avis biaisés, qui critiquent, qui osent critiquer. Donc euh, ça, fait, ça fait du Bien et on aimerait en voir encore plus. Voilà. Eh ben merci, je te retourne nos compliments également. Bon bah Écoutez, on est ravis pour vous. Hein. Nous, on est tout seul. Thierry, puisqu'on pourrait se complimenter, je ne sais pas comment. On va repeindre le, le, le studio pour la rentrée. Car on arrive à, à, la, à la fin de cette septième, septième saison euh, euh, Mac. Merci à à toutes nos équipes techniques qui nous ont aidé à tourner cette émission chaque semaine, bien sûr François Bontemps, Lionel Martin, Dorian Mancio, Yannick, Clément Lano, et un grand merci également à toutes les personnes de 42 qui ont fait en sorte que nous puissions être là au rendez-vous chaque semaine et nous accueillir et continuer à nous accueillir l'année prochaine, je pense à Fabienne, à Charles, à Xavier, aux équipes techniques du Studio 42, sous la roulette de Mathieu Trentin, et à tous les pixels qui font que chaque semaine cette émission soit un miracle permanent, croyez-moi, et qu'on arrive à être en temps, en heure tous les vendredis en rendez-vous. Et merci à vous qui nous regardez de plus en plus nombreux chaque année. Et on vous donne rendez-vous à la rentrée pour une prochaine huitième saison de le mac On aura bien plein 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 d'actualités. On vous réserve plein 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 de surprises. Car maintenant refait le mac je fais ça à plein temps. Et vous allez voir que ça va dépoter à la rentrée. Soyez au rendez-vous et à bientôt. Let the celebration begin. Captain Rogers, the council finds you guilty. My sensors tell me that this man is good. The timing is not good. How do you do, Captain Rogers? I'm so loud. Captain Rogers, have you any last words before we pass judgment?